Hop, hop, hop. Mais il est 18h30. Et paf! Comment ça va tout le monde? Oh. En ce... quelle journée? Mercredi soir. On en perd la notion du temps. Ça va ou quoi? La musique est forte, non? Est-ce que la musique est trop forte? Est-ce que la musique est à un niveau acceptable? N'hésitez pas à me le dire tout de suite. On n'entend même pas la musique, tu veux dire? C'est pas vrai. J'augmente un petit peu la musique. Allez, j'augmente un petit peu. On n'a qu'à dire que c'est mieux comme ça. Du moins, je l'espère. Ça va ou quoi? Salut Impertinence, salut Marx, évidemment. Qui est là, hein? C'est l'invité de ce soir. Karl Marx. Salut Guillaume, salut Raves. Kevin, toujours présent. Salut SPSES, du coup. Kikoto Zigoto, vous avez vraiment les meilleurs noms. Et Galan, évidemment, qui était la first. C'est beau. Salut Vicou. Fais vite, par contre, parce qu'à 19h, il y a Gabriel Attal avec Enjoy Phoenix et compagnie. Je sais même pas qui c'est Enjoy Phoenix. Ça, c'est le boomer qui est en moi. Hein. Salut Boxis. Salut Jimmy Billy Bob. Vous me tuez avec ces noms. Je m'en remettrai jamais. Hop. Alors, puisqu'on parle de boomer, n'oubliez pas que j'ai désormais... et paf, n'oubliez pas que j'ai désormais Instagram où je commence à faire des petites stories. Et évidemment, là, on voit tout le boomer qui est en moi. C'est que... on sent la vieillesse qui m'anime. Mais j'adore faire ça. Donc je ferai des petites stories régulièrement. Instagram, c'est genre... comme ça. Salut Ubique. On va parler un peu de Marx ce soir. Donc évidemment, on va parler des classes sociales. Ça m'a été demandé, je crois... Fenrir, le stream commence toujours quand j'ai faim. Ben moi, il termine quand j'ai faim. c'est là où je sais qu'il faut que ça s'arrête. Alors, plein de trucs à vous dire. Donc, normalement, si tout se passe bien, à la fin de cette semaine, j'aurai les nouveaux éléments pour faire la nouveauté sur le stream, là, toutes les histoires de... comment ça s'appelle? L'overlay, tout ça, là. Ça, ce sera bien. Je testerai ça ce week-end, j'imagine. Demain soir, alors en fait, il y a plein de trucs qui vont se passer cette semaine, j'ai eu plein de propositions auxquelles je ne pouvais pas dire non. Demain soir, on aura peut-être un stream exceptionnel avec un économiste qui s'appelle Alexandre Delegue sur Twitter, qui est très sympa et qui va nous parler justement de conflit des classes d'âge ou lutte des classes tout court. Et son argument principal, c'est de dire oui, c'est sûr qu'il y a un problème spécifique chez les jeunes, mais, il faudrait pas... seulement dire que c'est la faute des boomers, donc ce sera intéressant, hein, je pense. Donc demain soir, normalement, il me reconfirme ça tout à l'heure, donc je l'annoncerai sur Twitter dès qu'il m'aura confirmé officiellement. Et vendredi soir, on aura vraisemblablement la chance d'avoir sur ce live un certain Romaric Godin, qui est le journaliste économique de Mediapart. Très sympa. Et donc je lui ai dit, bah vas-y, viens faire un tour sur Twitch, tu vas voir, on y est bien. Et il a dit, pourquoi pas. Donc, normalement, il est disponible vendredi. Donc, ce qui fait qu'on streamera et demain et vendredi, normalement. Salut Strapontin, salut JS Carbo. Bon, j'espère que vous êtes à peu près en forme, que vous avez profité du beau temps, si vous aviez du beau temps aujourd'hui. Car oui, il faisait beau. Ça donne envie de se mettre en terrasse. Évidemment, c'est le réchauffement climatique, donc on ne s'en satisfait pas. Mais que voulez-vous? Donc alors, mon programme, j'ai préparé quelques slides, évidemment, je vous rappelle que j'ai un boulot, plein temps, ce qui fait que ce sera pas non plus, comment dire ça, c'est pas la perfection, hein, mais je me suis dit que j'étais pas mal pour cadrer un peu ce qu'on allait raconter. On n'épuisera évidemment pas le sujet, comme d'habitude, salut Eloise. Voilà, ça donnera pour celles et ceux qui n'y connaissent rien quelques bases, pour les autres, ça permettra de se rafraîchir, et puis surtout de discuter un peu collectivement. Et puis après ces quelques slides, on aura la lecture d'un texte dans la vie des idées de monsieur qui s'appelle Hugo Paletta, spécialiste du fascisme et puis des questions marxistes, et qui du coup nous donnera à lire, à comprendre les travaux d'un monsieur qui s'appelle Eric Olin Wright, qui
est décédé en janvier 2019, sociologue marxiste très important, qui du coup permet d'actualiser un petit peu, profiter du beau temps pour réussir un peu plus mon boss au boulot. Eh oui, ça c'est... Et merci Marx, qui devient notre 49e cotisant magnifique. Merci à toi, mon cher. Et donc, tu as profité du temps pour réussir un peu plus ton boss. Ça fait plaisir, ça me fait plaisir à moi aussi, mon cher. C'est top, merci beaucoup. Ah, c'est pas celui qui a écrit un bouquin sur les stratégies anticapitalistes. Ouais, c'est ça, ouais, il a écrit des petits bouquins là-dessus. Des trucs très courts. Hein. Capital, ça se lit très facilement en plus, c'est très bien. Alors par contre, le manifeste du Parti communiste, lui, se lit beaucoup plus facilement. Évidemment, c'est une volonté, c'est une visée, une portée beaucoup plus politique. Évidemment, c'est la logique. Et ça se lit, ma foi, très bien. Et puis surtout, les choses qui sont écrites dedans résonnent toujours aujourd'hui. C'est ça qui est impressionnant avec ce genre de texte hein, qui dure, dont l'écho continue à produire des choses aujourd'hui. C'est assez impressionnant. Très pénible, cette musique. Ça, c'est mieux. Donc voilà le programme. Hein. On va attendre encore un petit peu, tranquillement. On va discuter vite fait, là. Donc les gens arrivent et s'installent. Que les retardataires prennent place dans notre amphithéâtre virtuel. je parlais de Olin Wright, mais oui, Marx aussi. Ah oui, Olin Wright, oui, complètement. Ouais, il a écrit beaucoup de choses. Alors, j'ai pas lu énormément de choses de lui, pour être honnête, des extraits par-ci, par-là. Mais c'est vrai qu'il écrit... Il est quand même connu pour étant justement un de ceux qui ont voulu garder un peu la tradition de Marx et qui ont écrit vraiment des choses qui méritent notre intérêt quand même. Le manifeste du Parti communiste était inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Bah tu vois, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas. Contre-temps. Eh oui, bah contre-temps, hein, comment dire ça ? Aller lire des choses sur contre-temps, c'est ma foi très bien. C'est parfois un peu difficile, je trouve, quand même, quand on n'est pas universitaire, etc. Il y a des choses qui sont parfois des textes hein, qui sont un peu abscons, pour être honnête, je trouve, de mon point de vue. Ça mériterait parfois un effort supplémentaire de vulgarisation. Ça, c'est mon petit point de vue, et c'est sûrement lié aussi à mon propre boulot. Hein. Moi, j'attache beaucoup d'importance à la vulgarisation et à rendre compréhensible des choses. Et vulgariser, ça ne veut pas dire simplifier. Mais parfois, je trouve qu'il y a des plumes un peu lourdes et denses, quoi, si on n'est pas habitué. Et voilà. Mais merci, Raves, qu'est-ce que tu es sympathique. Est-ce que vous êtes collectivement sympathique hein. C'est formidable. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire en termes de programme, là. Donc, vraisemblablement... Alors, Jacobin, c'est encore pire, parce que Jacobin, c'est une revue écrite en langue anglaise. Alors déjà, si vous parlez pas anglais, c'est mort, quoi. Compliqué, mais il y a des textes qui sont très bien en hein, plus sur Jacobin. J'ai lu des choses excellentes là-dessus, notamment sur les histoires de logement, de rapport aux propriétaires, etc. Merci mon pote Maurice. Et puis voilà, donc demain soir, normalement, stream spécial. Un jeudi, normalement, on ne stream pas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Stream spécial avec Alexandre Delec pour parler des histoires lutte des classes ou lutte des classes d'âge, qui est aujourd'hui évidemment un sujet d'une grande actualité. Et vendredi, normalement, soit on fait de l'actu, soit il y aura Romaric Godin qui sera avec nous, journaliste à Mediapart. Spécialiste des questions économiques que moi j'avais découvert d'ailleurs. Salut Sassou35. Que moi j'avais découvert d'ailleurs au moment de la crise grecque. C'était à ce moment où je le lisais énormément. Il était journaliste à la Tribune à l'époque. Et c'était marrant, c'était le seul à faire un peu des choses plus macroéconomiques à la Tribune. Alors maintenant ça a bien changé. Il reste plus grand chose d'intéressant à lire malheureusement, je trouve... dans la Tribune, ça c'est mon petit point de vue aussi. Donc voilà pour le programme. Alors lundi, moi je suis au boulot, je fais une formation dans le cadre d'une formation sur les salaires où je parlerai de coût du capital, mais ça d'ailleurs, il faudra que je fasse un stream coût du capital pour vous parler de ça parce que c'est très intéressant. Et on continue à bosser dessus d'ailleurs. Donc je serai pas là parce que c'est très loin. Donc je serai rentré visiblement trop tard pour faire un stream. Et par contre, on peut peut-être faire un stream mardi. Voilà, je vous dirai tout ça sur le Discord. C'est pas de droite la Tribune, ah si, c'est complètement de droite. Mais quand dans un truc de droite, il y a quelqu'un comme Romaric Godin, qui lui pour le coup n'est pas de droite, et ben ça donnait des trucs vraiment très bien. Articles éco de Mediapart sont super intéressants et accessibles. Alors, je trouve qu'ils sont pas tous accessibles à fond non plus, mais par contre très intéressants, oui. Romaric, il a une plume, donc c'est vraiment très bien.
Donc voilà pour les principales annonces. Je vous rappelle du coup pour cette semaine, pour la semaine prochaine, donc pas de live lundi. Il y aura un live mardi, vraisemblablement. Un live mercredi. Et du coup, un live vendredi, où là, on sera avec Rachel Silvera. Rachel Silvera, qui du coup est non seulement une camarade à moi, j'ai la chance de travailler ensemble. Économiste, du coup, il a beaucoup travaillé sur les questions de genre, sur les questions d'égalité femmes-hommes, etc. Spécialiste de ces questions-là. Donc ce sera très intéressant le 5 mars de discuter de... Ah non, c'est pas du tout la fin, c'est le début. Kajika, t'inquiète. On prépare le terrain avant de... Je fais quelques petites annonces avant de rentrer dans le vif du sujet. Et ensuite, on fera le... Et ensuite, on fera... De toute façon, je redirai ça à la fin. C'est juste pour rappeler un peu les événements. Le 8 mars, du coup, on a Aurélie Trouvé qui sera là, porte-parole d'Attaque. Économiste aussi, spécialiste des questions environnementales et notamment agricoles. Ce sera absolument passionnant, je pense. Le 8 mars, du coup. Et puis ensuite, bah voilà, on continue sur notre lancée. Le 15 mars, on a Jézabel Coupé-Soubiran. Le 31 mars, Laurence Yalom. Donc avec Jézabel, on parlera de monnaie. Grande introduction à la monnaie, de quoi on parle, tout ça. Et on l'adore, on va les trouver chez Viewer du Zub, bah, tant mieux. On l'adore aussi par ici, évidemment. Le 31 mars, on sera avec Laurence Yalom, donc, qui est une pote aussi hein, de Jézabel Coupé-Soubiran, elles ont beaucoup travaillé ensemble. Spécialiste, elle aussi, finance, système bancaire, elle nous dira des choses là-dessus. Donc pour l'instant, ce stream a été quand même, on va pas se mentir, beaucoup trop masculin. Ça, c'est fini. Voilà, on va enfin un peu rééquilibrer les choses. Et voilà, c'était plutôt des problèmes de calendrier qui ont fait que ça a été beaucoup trop masculin, genré pour l'instant. Voilà, on fera évidemment attention à ça par ici. J'invite quand Usul ? Bah ouais, faudrait que je l'invite. S'il est d'accord pour venir, je serais ravi qu'il vienne causer avec nous, ce cher Usul. Mais bon, je sais qu'il est très occupé, j'ai pas envie de l'embêter non plus. Vois-tu ? Puis voilà. Mais écoute, ça coûte rien de lui envoyer un petit message. Je lui enverrai un petit message. Tout à fait. Et donc voilà. Voilà pour la semaine prochaine, puis pour le mois de mars, on a déjà le mois d'avril aussi qui est pas mal occupé, donc pareil, j'ai pas mal de boulot, notamment entre fin mars et avril, enfin j'ai tout un tas de trucs à faire en même temps. Merci Captain Escobar pour ton follow. Mais du coup, on a quand même Cédric Durand le 14 avril pour parler, 12 ou 14 avril, je sais plus, attendez. Je prends mon agenda. Ma merde, qu'est-ce que j'en ai fait ? Alors, le 12 avril, voilà, avec Cédric Durand, on parlera des bases de Marx. Et le 19 avril, avec Michael Zemmour, on parlera sécurité sociale, comprendre la protection et la sécurité sociale. Ça veut dire tout ça, il est économiste spécialiste de ça. Et le 3 mai, on aura Maxime Quijoux, qui est sociologue, pour parler de l'économie sociale et solidaire et du mouvement coopératif. Donc, on va être bien, hein. On est quand même bien entouré. On ne va pas se mentir, c'est plutôt sympa. Voilà pour ça. Bon, 18h44, on arrête de causer pour rien. On attaque Marx. Je vais peut-être couper la musique pendant que je cause de Marx, non ? Ça risque de vous déconcentrer. Hop, hop. Et on est parti. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Si vous voulez que je repère vos questions encore plus vite, n'hésitez pas à mettre votre message en avant. Vous étiez là pour le... Merci pour ton follow, Raven. Est-ce que vous étiez là lundi pour la discussion avec Denis Colombi ? J'ai trouvé ça super, moi. J'espère que ça vous a plu aussi. Bonsoir, pas eu la notif. Comment ça se fait, cette affaire ? Comment ça se fait que t'aies pas eu la notif, Choco ? Pas normal, ça. Mais j'espère que ça vous a plu, la discussion avec notre ami Denis Colombi. Je trouve ça super intéressant, sur la pauvreté, tout ça. Donc, c'était, ma foi, fort bien. Les invités sont quand même top. Super intéressant live avec Denis Colombi, merci. Donc n'oubliez pas que c'est disponible en replay sur YouTube, si besoin, et pour l'instant encore sur Twitch. Pendant 15 jours, c'est disponible, voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Ah oui, on approche très fortement du statut de partenaire Twitch, ce qui est quand même pas mal. La seule difficulté, c'est vu le programme de stream qu'on a, en fait, il faut atteindre 25 heures sur le mois, donc forcément, vu qu'on fait des streams de 2 heures, voire un peu moins en moyenne, ça fait que c'est compliqué d'atteindre les 25 heures sur le mois. Mais sinon, on a tous les autres critères. Donc si vous voulez, on verra ça ce week-end. Mais en fonction, on peut peut-être essayer de faire dimanche, genre une partner run pour devenir, pour devenir partenaire Twitch. Et ensuite, on sera encore plus content. On pourra encore plus développer cette chaîne.
Faut faire un live gaming de 7 heures, ouais, c'est ça. Mais alors là, il n'y aura personne. Hein. Il n'y aura personne si je fais ça. Mais bon, je vous enverrai un message. Enfin, je vous redirai ça vendredi. On verra bien. Ce n'est pas non plus la priorité, hein, les stats, etc. On s'en fout un peu. C'est juste que ça permet d'avoir un cut plus important pour nous, ce qui permet du coup derrière de, je pense, de faire plus de dons aux caisses de grève, de payer plus de matos, tout ça. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal. Merci, Rob. Bon, on est parti. Allez, hop, changement de scène. Les classes sociales. Donc, les classes sociales, évidemment, c'est pas une masse à faire. On ne va pas traiter toute la question. Les classes sociales, j'aurais dû ajouter chez Marx. Peu importe. C'est vrai qu'au début, je m'étais dit, tiens, on va parler des classes sociales, je vais parler des différentes choses. Ce que dit Marx, ce que dit... On va remettre quand même un tout petit peu de musique, mais pas trop fort. Vous me dites, ça cache pas trop ce que je raconte, la musique, là ? All my homies aide bourgeoisie, c'est ça. Les classes sociales, du coup, chez Marx pour l'instant. Et puis on verra qu'en fait, il y a d'autres auteurs. Hein. Je sais que Marx, là, du coup, ne va pas être content. Il va dire, comment ça, il y a d'autres auteurs que Marx? Bah oui, évidemment. Si on dit des choses très intéressantes, un poil moins fort serait bien pour moi. Eh bien, écoute, ne bouge pas de là. Voilà. Ça fera un petit arrière-fond de tranquillité. Et voilà. Tac. Donc on va parler un peu de ce que dit Marx. On va du coup ensuite, une fois qu'on aura vu ces slides-là, lire cet article à propos de Eric Olin Wright. Et puis ce sera déjà pas mal, je pense, en termes de programme. Et bien si vous êtes prêts, on est parti. Alors les repères biblio que j'utilise aujourd'hui. Merci Westwild, merci Lagal. Il y a évidemment ce tout petit bouquin-là. Hop, la sociologie de Marx. Parce que l'avantage de Marx, c'est qu'il est économiste. Il est sociologue, il est philosophe, on le fait un peu rentrer dans les catégories qu'on veut. Et donc il y a beaucoup de petits repères comme celui-ci, je vous le remontre, qui sont très utiles. Alors il date complètement, celui-là il est de 95, je l'ai retrouvé dans les cartons d'un pote prof qui est parti à la retraite à la fac il y a quelques années. Mais bon, il reste d'actualité, puisqu'évidemment, ce dont parle Marx, c'est le 19e siècle. Et donc ce qu'il en raconte est pas du tout... comment dire ça oublie ce que je voulais dire. Enfin, c'est encore d'actualité, quoi. Et l'autre, c'est... J'ai ce gros manuel-là, parce que... Un lien de famille avec Cédric Durand, j'en sais rien. Je crois pas, mais c'est... Parce qu'il y en a quand même pas mal des Durand. Jean-Pierre Durand, machin, Durand, Cédric Durand. Il y a plein de Durand. Ce gros précis de sociologie, qui est très bien. C'est vrai que moi, maintenant, je fais surtout de l'écho, donc j'ai beaucoup moins de temps pour lire de la sociologie. Et des fois, c'est quand même bien de remettre un peu le nez dans la socio. Même si, bon, la sociologie, c'est pas seulement les grands auteurs, les grands courants, les grandes idées. Ça se pratique aussi. Hein. Ça, si vous faites un jour de la recherche, vous le saurez. Mais typiquement, il y a un chapitre sur les classes sociales. Donc, j'ai recoupé ça avec le petit bouquin sur Marx. Et puis, ça permettait de, voilà, d'avoir quelques éléments suffisants pour aujourd'hui. Donc, les classes sociales, eh ben, écoutez, c'est finalement pas non plus ultra compliqué. Hein. Que nous disent Marx et Engels ? Dans le manifeste du Parti communiste, ma prof de SES, celui-ci disait « L'économie sans sociologie n'est que ruine de l'âme ». Je pense qu'elle a raison. Keynes disait aussi qu'un bon économiste devait être capable d'être aussi un peu mathématicien, un peu philosophe, un peu sociologue, un peu psychologue, et il y a effectivement de ça. Hein. Moi, je fais aussi partie de ceux qui défendent l'unité des sciences sociales. Je pense que en fait, l'économie et la sociologie, c'est pas du tout éloigné. Ce qui les éloigne de fait, c'est les objets étudiés, mais en vérité, il ne peut pas y avoir de fondements scientifiques différents à ces deux disciplines-là. On fait aussi bien de la quantification, des méthodes statistiques très fines en sociologie qu'en économie, etc. Il y a des vraies discussions là-dessus. Mais bon, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes. Bon, bah alors ça déjà, Orléans parle de l'unidisciplinarité, je suis entièrement d'accord avec lui. On salue André Orléans s'il nous écoute. J'essaierais bien de l'inviter, tiens, ça serait marrant. Je pense qu'il me dira qu'il aura la flemme, mais ça peut être rigolo. Donc voilà, la classe, chez Marx, c'est la variable clé qui explique la dynamique de l'histoire. Ça, c'est la base, hein, du raisonnement chez Marx. Et qu'est-ce qui explique le développement, d'accord, historique ? Pas nécessairement au sens de progrès, mais la marge de l'histoire, eh ben, c'est à chaque fois une histoire de lutte des classes. Donc forcément, cette notion de classe sociale, elle est fondamentale chez ce bon vieux Karl. Merci Kajika. Donc l'histoire, petit détour historique rapide, c'est simplement une succession
de mode de production. Donc évidemment, celui dans lequel on est, vous le connaissez tous et toutes, puisque vous vivez dedans, c'est le capitalisme. C'est un mode de production particulier. C'est ça, en fait, le grand intérêt à la base aussi de l'idée, de la théorie de Marx, hein. C'est de dire, bah, ça replace historiquement ce dont on vit. Et évidemment, ce que font malheureusement beaucoup d'économistes aujourd'hui, c'est qu'ils ont tendance à naturaliser le capitalisme, comme si ça avait toujours existé, comme si le monde dans lequel on vivait, nous, notre génération, là, notre époque, comme si ça allait durer à l'infini, quoi, vous voyez ? Comme s'il n'y avait pas de changement. Et du coup, on oublie l'ensemble des développements historiques antérieurs et on prend ce qui existe comme étant l'état de la nature, quoi. C'est ça qui est assez fascinant. Hein. On se dit, bah voilà, c'est comme ça. Et quand vous entendez, moi, ça, ma maman me dit souvent, c'est comme ça, il y a des riches et des pauvres. Le monde, il est comme ça, tu ne vas pas le changer avec tes petits bras musclés. Et ce qu'elle sous-entend souvent, c'est ça a toujours été comme ça, vous voyez ? Alors qu'en fait, évidemment que ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu des choses avant le capitalisme, mais il se pourrait très bien qu'il y ait des choses après. Un peu d'espoir pour ce soir. Du coup, Marx, lui, va dire, non seulement il est possible qu'il y ait des choses après, mais c'est sûr. Il y aura forcément quelque chose après. Il y a tellement de contradictions dans le capitalisme que forcément, il y aura quelque chose après. Bon, alors sauf qu'il ne nous a pas donné de date. Il est marrant, mais voilà, il écrit ses textes il y a 200 ans, et puis nous, on est là, on dit, bon, c'est quand, est-ce qu'il y a après, là ? Parce que bon, ça commence à être pénible, cette affaire. Et une des grandes questions, alors évidemment, on ne va pas répondre parfaitement à ces questions-là. C'est des questions non seulement d'historiens, mais aussi d'histoire économique très complexe, etc., sur qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un régime, d'un mode de production à l'autre. Où est-ce qu'on met les dates, etc. Bon, ça, c'est, il y a des grandes discussions entre historiens et je n'ai aucune prétention à y rentrer dedans. Mais la question, quand même, que pose Marx aussi, c'est comment est-ce qu'on passe d'un mode de production à l'autre. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, bah, il y a un moment, il y a des moments, ça peut durer longtemps, ça ne se fait pas non plus de manière immédiate, etc. Il y a des contradictions croissantes entre, pardonnez-moi, des forces productives, donc les forces productives, c'est nous, mais pas seulement, c'est aussi du coup les machines qu'on utilise, tout ce qui permet la production, et les rapports sociaux de production. Et là, les rapports sociaux de production, bah, typiquement dans le capitalisme, ils reposent sur deux choses, la propriété privée des moyens de production. En fait, si on voulait définir le capitalisme de manière très simple en deux temps, je pense que ce serait un, propriété privée des moyens de production, ça, je pense que personne ne peut nier ça, hein. Et dans le même temps, deuxième point, eh ben, le rapport salarial. D'accord ? C'est ça qui fonde en fait le capitalisme aujourd'hui, et qu'il fondait déjà hier, mais de manière différente. Propriété privée des moyens de production d'un côté, et puis salariat de l'autre. Parce que nous, concrètement, qu'est-ce qu'on a à vendre ou de fait à louer ? Bah, notre force de travail, quoi. Donc ça, c'est les grandes bases de la logique de Marx. Est-ce que vous êtes encore là ? Je vois pas le chat bouger, donc j'imagine c'est parce que vous buvez mes paroles. Sinon, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Oui, oui, ok, bon, ça va. Les modes de production, du coup, c'est quoi ? Bah, comme je vous disais, il n'y a pas que le capitalisme. Il y a eu plusieurs modes de production. Il y a eu le mode de production antique, celui-là, c'est le plus vieux, et qui était assis sur quel type de rapport ? Bah, l'esclavage. Vous voyez ? Donc ça, c'était essentiellement de l'artisanat et un rapport qui est un rapport social particulier, d'accord, de production, qui est l'esclavage. MDR, on est sur Zoom. Est-ce que tu fous sur Zoom, t'es en cours ? Il y a ensuite le mode de production féodal. Vous voyez ? Donc là... Ah oui, d'accord, vous êtes concentré, ouais, comme si c'était en cours. Bah, désolé, ça c'est le moment. C'est vrai que c'est un peu le moment chiant avec les slides, mais je me dis que ça permet de cadrer les trucs. Et puis après, mais par contre, si vous avez des questions directes, des trucs à dire, vous me dites. Le mode de production féodal... Bah, vous le connaissez aussi, enfin du fond, vous l'avez jamais connu en vrai, mais vous l'avez sûrement lu. Il est basé sur le servage. Il y a des serfs d'un côté, vous voyez, qui ont leur petit lopin de terre, parce que leur seigneur, leur bon seigneur, il leur a dit, tiens, ce lopin de terre-là, t'en fais ce que tu veux, mais t'es censé être libre, par contre, tout le reste, bah du coup, c'est pour moi. Et puis, si tu te barres des terres, au fait, bah tu perds tous tes droits, etc. Voyez. Et puis, évidemment, il vient ensuite le rapport de production capitaliste, qui est basé, du coup, sur l'exploitation, nous dit Marx, du prolétariat, en fait, c'est le rapport salarial. Ça veut dire que nous, on est là avec nos deux petits bras, et la seule chose qu'on a à vendre, c'est notre force de travail. Contre un salaire, donc du coup, la particularité, vous voyez, en fait, la différence entre esclavage et servage, elle est quand même relativement petite, parce qu'évidemment, dans le servage, t'es censé être un homme libre, relativement, mais bon, dans les faits, bon, voilà, il n'y a pas d'énorme différence avec l'esclavage. Alors que dans le capitalisme, de fait, personne ne peut vous imposer concrètement, d'aller travailler chez quelqu'un. C'est ça, en fait, l'élément central, quoi.
c'est que tu as une liberté, enfin, évidemment, qui est factice, hein, puisque évidemment, quand tu as besoin de bouffer, bah, tu vas travailler comme tout le monde. Mais par contre, voilà, tu n'es pas forcé, en tout cas en théorie, de vendre ta force de travail. Et voilà. Ensuite, après le capitalisme, il y a le gay space luxury communism. Bah écoute, peut-être. Je ne sais pas ce qui vient après encore. Et pour la période moderne, c'est le système féodal. Je suis prof d'histoire, je suis un peu pointilleux sur le... Oui, voilà, c'est ça. Complètement. Alors après, évidemment, là où la difficulté qu'on a à Raven, c'est à quel moment on passe de l'un à l'autre. Tu vois, et c'est là, toi, si tu es historien, tu vas toujours me dire que choisir une date, ça n'a pas de sens, qu'il faut regarder du coup des processus qui sont lents, qui sont inscrits aussi dans les institutions, dans les rapports sociaux plus généraux. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un bouquin, bougez pas, à vous montrer. Ça vous permet de voir ma chambre en bordel en même temps. Bon, il est très critiqué en même temps, ce monsieur, pour des raisons politiques et aussi parce que, bon, très concrètement, ils ont écrit un bouquin avec Stéphane Beau sur l'histoire de la race, etc. Je ne rentre pas dans ce débat-là du tout. Mais par contre, on ne peut, peu importe ce qu'on pense d'eux, que recommander ce bouquin-là. Une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours, qui, justement, a une approche qu'on pourrait qualifier de marxiste. Et en fait, plus spécifiquement, de bourdieusienne. Mais on parlera de Bourdieu un peu plus tard. Mais c'est absolument fascinant. Et justement, pour la période qu'on appelle moderne, notamment, c'est extrêmement intéressant de voir comment est-ce qu'on passe à différents moments spécifiques. Il parle aussi du code noir, il parle de tout un tas de choses. C'est l'exploitation des classes populaires sous Louis XIV, typiquement, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément très bien. Merci, Chocopop. Mais c'est ce bouquin-là, merci pour ton Prime, c'est trop sympa. Ce bouquin-là, ça c'est vraiment, ça se dévore, quoi. Bouquin de Gérard Noiriel, excellent. Donc si vous avez le temps de lire ce bel ouvrage, faites-le. Et ça donne justement corps, historiquement, hein, à ce que je suis en train de lire là. Voilà. Totalement d'accord, les bornes chronologiques sont à la fois des repères utiles mais superficiels. Ben oui, parce qu'en fait, c'est l'historien, quand il décide de mettre à un moment donné une date, évidemment, c'est toujours critiquable, et évidemment que typiquement la date de 1789 pour la Révolution française, ça donne un peu l'impression que parfois il se passait rien avant et pouf, d'un seul coup il y a la Révolution. Mais non, c'est des processus qui sont lents, c'est différents moments qui s'inscrivent, c'est des changements au niveau des relations entre les classes sociales, etc. C'est ça qui est fascinant en fait avec l'histoire. Et pour essayer de comprendre ce processus-là, on a parfois trop tendance à regarder de grandes figures historiques, vous voyez, on retient l'histoire avec les grands noms, alors qu'en fait, il fallait s'intéresser aux gens qui n'ont pas de nom, justement, dont on ne retient pas le nom. Il faut s'intéresser aux relations entre les gens, à quel moment, et en fait, concrètement, nous, c'est ce qu'on est. On est des gens qui, dans 500 ans, nos noms seront oubliés. J'espère pas, mais peut-être. Mais ce qui sera intéressant, ce sera de voir, justement, comment se recomposent les rapports qu'on a entre nous aujourd'hui, puis Dieu sait qu'en ce moment, il y a une recomposition qui est quand même majeure de plein de choses, ou en tout cas, il y a potentiellement des recompositions importantes. Bon, tout ça pour dire que ce que décrit Marx dans le Capital, c'est évidemment ça. C'est le Capital, ça paraît bête, mais il faut quand même le dire. Et les classes sociales qu'il va décrire sont évidemment aussi les classes sociales de son temps. D'accord ? C'est ça qui est intéressant. Et on verra que justement ce que fait Eric Olin Wright, c'est de dire, bon, la logique est bonne, mais évidemment, correspond pas entièrement à la réalité d'aujourd'hui. Vous voyez ? C'est un peu plus, peut-être un peu plus fin que, et encore, même Marx avait déjà compris, il n'y avait pas seulement d'un côté le prolétariat et seulement la bourgeoisie, ceux qui exploitent, ceux qui sont exploités, c'est qu'il y a aussi des fractions, il dirait plutôt lui, un peu plus fines là-dessus. Les luttes et les rêves de Zancarini-Fornel est une bonne alternative ou un bon complément au bouquin de Noiriel. Ah bah tu vois, j'ai pas lu ça. Donc je vais me le noter. Tu pourras me le dire sur le Discord, ça, si ça te dérange pas, si jamais t'as le temps de venir sur le Discord, ça m'intéresse. On va faire de toute façon une espèce de biblio collective, hein, au bout d'un moment. Alors, soyez un peu indulgents et patients avec moi. Ça fait pas très longtemps qu'on a créé ce stream, et ça va se développer progressivement, et on fera justement ce genre de truc un peu collectif, là, qu'on puisse se donner nos bons plans sur ce qu'on lit, sur ce qu'on pense aussi, pourquoi pas, enfin voilà. Évidemment, un truc collectif là-dedans. Le Nightbot qui arrive direct pour nous filer un coup de main. Donc ça va pour cette idée de mode de production. Vous voyez, c'est pas non plus... C'est l'idée centrale. C'est évidemment très complexe historiquement, mais la logique est là. Hop. Pourquoi j'ai mis ça, moi? Ah oui. Donc pourquoi est-ce que ce détour historique est important? C'est que, en fait, ce que nous dit Marx dans un certain sens,
Mince, j'ai oublié une slide, du coup, je l'ai perdue. Tant pis. C'est que ce qui fait qu'il y a une contradiction entre c'est le rapport de production, ce qui domine, entre guillemets, le fait que dans ce rapport de production, il y a une partie qui gagne tout le temps, qui est les capitalistes, et les forces productives, c'est que pour qu'il y ait un gain pour les capitalistes, ils sont obligés, nous dit Marx progressivement, de créer une espèce de socialisation de fait. Tu mets des travailleurs en même temps, dans des endroits collectifs, vous voyez, typiquement c'est la grande manufacture à l'époque de Marx, la grande industrie ensuite, et l'idée c'est que ça va créer les conditions pour qu'il y ait des tensions sociales énormes, quoi. Et donc ce que nous dit Marx, c'est que c'est pas seulement un élément technique qui fait que les modes de production changent, c'est que le rapport de production va produire quelque chose qui fait que, au bout d'un moment, il va y avoir quelque chose comme une conscience de classe qui va émerger. Alors tu parles du flex-office, et là justement c'est vachement intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis ça, maintenant je m'en souviens, il ne faut pas sous-estimer les classes dominantes. Les classes dominantes, elles regardent pas ça en disant juste « Ah bah ouais, bon bah, raté ». Du coup, j'ai créé la socialisation de fait. Sinon, vous voyez, on n'y serait déjà plus dans le capitalisme. Donc c'est bien qu'il y ait des choses qui changent. Hein. Alors, je vais vous lire un petit passage que je trouve très bien là-dedans. Le flex office. Mais ça, c'est, en plus, c'est une très bonne... Et pour moi, il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui, hein, justement, sur notamment le télétravail. Ça peut être potentiellement un moteur d'exploitation renouvelée. Quoi. Bon, on en reparlera. Voilà ce que dit Jean-Pierre Durand. Voilà alors en quoi la bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Et le terme révolutionnaire est intéressant. Hein. Et Marx ajoute, la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production. D'accord ? Ce qui veut dire les conditions de la production, c'est-à-dire tous les rapports sociaux. Et ça, je trouve qu'il y a quelque chose de fabuleux là-dedans, parce que ça rejoint pratiquement, vous voyez, certaines choses que pourront dire Schumpeter plus tard. Qui parle, vous voyez, de la destruction créatrice, tout ça, qui accorde un rôle extrêmement important à la figure de l'entrepreneur. Mais là, on le retrouve sur la figure de la bourgeoisie. Et on le retrouvera aussi chez Bourdieu, dans un sens. Donc Bourdieu, c'est un sociologue hein, du XXe siècle, un des plus connus, mais on y reviendra sur cette histoire de classe sociale, parce qu'il a repris en partie Marx, et puis il en a dit des choses, il a essayé d'apporter ses propres contributions à partir de ça. Parce qu'il n'était pas très convaincu par la notion de classe sociale, on verra pourquoi. Mais ce que nous dit Marx, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer du coup, ce que font les classes dominantes. Et la stratégie qui est, en permanence, du coup, de révolutionner la production et de révolutionner, en fait, l'exploitation. Ça veut dire que l'exploitation, elle change en permanence de nature, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. Hein. Un entrepreneur fait partie de la bourgeoisie. Justement, oui, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où, bon, on verra après, hein, que la petite bourgeoisie, ça peut être des petits entrepreneurs comme des commerçants, des artisans, à l'époque de Marx. Mais ce que nous dit Marx, c'est que ceux-là, justement, en fait, entretiennent des liens de classe avec, on va dire, la classe ouvrière, entendue comme les salariés hein, qui vendent leur force de travail, du coup, à la bourgeoisie qui est propriétaire. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, cette petite bourgeoisie, en fait, elle devrait rejoindre le reste de la classe ouvrière. Mais vous allez voir quand on parlera juste après des fractions sociales. Alors, je finis juste cette citation. Ici, la boucle se ferme. La bourgeoisie, entendons la classe dominante, acteur dans les rapports de production capitalistes, révolutionne les forces productives, à la fois les instruments de production, vous voyez, il révolutionne les machines, etc. En fait, justement, il ne faut pas oublier non plus que c'est surtout les travailleurs hein, qui participent à la révolution permanente de l'outil de production, mais bon, peu importe. Qui, à leur tour, transforme la totalité sociale, y compris les rapports de production. Ça veut dire que les rapports de ceux qui détendent, de ceux qui détiennent le capital, par exemple, vous voyez, ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui existaient au XIXe siècle. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de riches, au contraire, on a une richesse qui est hallucinante aujourd'hui, qui est accumulée. Mais en fait, quand on cumule de la richesse, on cumule surtout du pouvoir. Hein. C'est le pouvoir de définir ce qu'on va faire de la production. Je pense que si on est marxiste, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas tellement le fait que des gens aient de l'argent, énormément, qui est le principal problème, c'est que des gens aient du pouvoir. Et que ce soit une minorité qui détienne un pouvoir énorme sur le reste de la société, puisque c'est eux qui déterminent en permanence la définition des stratégies de l'entreprise, là où on va aller, quelles décisions on prend, etc. Merci, alors j'ai raté plein de trucs. Une ablette, Milsov, Gaspacho verte. Donc voilà, l'idée c'est que ces contradictions, en fait, sont censées amener à la fin du mode de production. Mais pourquoi je dis qu'il ne faut pas sous-estimer les classes dominantes ? Pour une raison simple, mes chers amis, on est dans quel mode de production aujourd'hui ? On est toujours dans le capitalisme. Donc c'est donc bien qu'il y a eu des changements profonds qui ont été portés à différents moments de l'histoire du capitalisme
qui ont fait que ça a pu se reproduire. Et je vous rappelle que le féodalisme, ça a duré quand même un petit moment. Hein. Mais qu'entre Hugues Capet, en 987, tu me diras, je sais plus comment tu t'appelles, mon ami, Raven, si c'est bien ça la date, que je dise pas de conneries, et on va dire le règne de Louis XIV, bah c'est pas pareil. Hein. Les classes sociales, elles ont bougé, il y a eu des choses qui ont changé aussi dans la façon dont on gérait l'État, etc. Enfin, évidemment, la création même de la logique de l'État, tout ça a changé, quoi, profondément. L'administration a changé, etc. Les dominants ont eux-mêmes changé, les classes populaires aussi ont changé, vous voyez. Et dans le capitalisme, c'est pareil. Vous vous doutez bien, il suffit de vous regarder, vous. On n'est pas les mêmes salariés, d'accord. On n'est pas la même classe ouvrière qu'il y a 200 ans. Ça paraît évident, mais justement, il faut bien avoir ça en tête. C'est qu'il y a des choses qui ont bougé entre-temps. Il y a des conquêtes, il y a eu des luttes, il y a eu des choses qui ont été gagnées. Et donc, le capitalisme d'aujourd'hui ne ressemble plus à celui d'hier, non plus. D'accord ? J'aurais pu le mettre d'ailleurs, mais l'idée, c'est que le capitalisme, on va dire, allez, celui du début, à partir de fin 18e, qui émerge, qui prend de l'ampleur fin 18e, début 19e, c'est un capitalisme qu'on appelle, dans une large part, concurrentiel. Beaucoup de petites entreprises, petites unités. On a eu ensuite, à partir du coup, après l'après-guerre, enfin ça a commencé avant, mais peu importe, un capitalisme qu'on pourrait appeler monopolistique d'État, avec un rôle très fort des syndicats, avec de grandes structures, de grandes entreprises. La logique fordienne, évidemment, c'est la base de ce genre de structure-là. Puis on aurait aujourd'hui quelque chose comme un capitalisme financiarisé, voyez. Donc l'idée, c'est que le capitalisme lui-même, en fait, il change régulièrement. D'accord ? Il se transforme et on appelle ça un régime d'accumulation quand on est un théoricien de la régulation, peu importe. Il y a un nouveau régime, d'accord, qui succède à un autre et qui fait que bah, le capitalisme il est capable de se transformer, quoi. Alors la classe moyenne, voilà, ça c'est aussi une des grandes discussions, c'est que reste-t-il des classes sociales ? Alors certains vont dire, bah, du coup ça n'a plus d'intérêt parce qu'il y a la classe moyenne, sauf que, bah, évidemment, la classe moyenne ne veut plus dire grand-chose. En tant que chercheur en éco, tu te considères, je suis même pas chercheur en ce moment, je suis économiste, mais je ne suis pas de fait chercheur, ni enseignant-chercheur à l'heure actuelle, mais je me considère comme un ouvrier. Ah pas du tout, je ne suis pas du tout un ouvrier, justement. Je fais partie... Enfin, on peut pas dire ça, de fait, mais c'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est que je suis évidemment pas non plus un bourgeois, tu vois. je fais pas partie de la classe dominante. Alors on verra que Eric Colin White, justement, il donne des éléments pour montrer ces subdivisions au sein même du salariat. Mais gardez un peu de patience, vous allez voir ça à la fin de ma petite démonstration. Là. Alors la classe sociale maintenant, je rentre là-dedans. Je sais pas, t'as dit nous, oui pardon, je voulais dire nous, enfin comment dire ça, ce qu'on appellerait la... Allez, la classe ouvrière de manière générale, mais c'est vrai que c'est plus compliqué que ça. J'aurais plutôt dû dire, nous, le salariat. Voilà. Ça, c'est plus clair comme ça. Et là, du coup, je rentre dedans, de fait. Mais la difficulté, c'est que tu as aussi des gens qui sont salariés, qui gagnent 10 000 balles par mois, qui rentrent dedans. Donc, c'est pas une catégorie homogène, le salariat. Donc, que nous dit Marx, après ce petit détour historique, là, sur ce que c'est une classe sociale ? Bah, il dit, il y a une définition objective. Je mets des guillemets, parce qu'évidemment, c'est toujours compliqué. Mais on verra que ça aura son importance, c'est quelle place tu occupes dans le processus de production. Donc à l'époque de Marx, il nous dit, en fait ce qui est marrant, c'est qu'il s'est contredit lui-même hein, dans ses textes sur il y a deux classes, il y en a trois, il y en a plus, enfin voilà. Mais peu importe, la logique centrale c'est, il y aurait d'un côté les propriétaires des moyens de production, ceux qu'on appellerait des capitalistes simplement, de l'autre les propriétaires fonciers, c'est ceux qui détiennent les terres, pour faire simple. En fait ce que veut dire Marx, c'est que petit à petit cette classe-là disparaît, d'accord, et qu'elle a finalement peu d'intérêt, cette classe des propriétaires fonciers. Et puis il reste une troisième classe, bah, les non-propriétaires qui doivent vendre leur force de travail, c'est le prolétariat, d'accord, c'est la classe ouvrière. Voilà l'idée. 987, c'est ce que j'ai dit, hein. À moins que je me plante pour Hugues Capet, mais peu importe. Voilà l'idée, ok. Donc, ce que nous dit Marx, c'est qu'il y a une définition voilà, objective de ce que c'est une classe sociale. C'est regarde juste ta place dans le rapport de production. Enfin, il suffit de regarder la place des gens dans le processus de production et vous avez la classe. Voilà. Et du coup, derrière ça, évidemment, on en fait découler la théorie de l'exploitation. Le capitaliste, il acquiert la force de travail, qu'on appelle chez Marx le capital variable, et les machines, qu'on appelle le capital constant. Bon, on va pas revenir tout de suite sur ce que ça veut dire capital variable et constant, mais retenez que pour l'instant, un capitaliste, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il a de l'argent. Avec cet argent, du coup, il achète des machines, il achète la force de travail, et puis il espère, derrière,
qu'il y aura du coup des revenus supplémentaires. Sinon, ça n'a pas d'intérêt ni d'acheter les machines, ni d'acheter le travail. Voilà. Est-ce que tu vas mettre ce stream en replay sur YouTube ? Tout à fait, WiseWord. La particularité de tout ça, c'est toute l'architecture théorique de Marx. La particularité du travail, d'accord ? Le capitaliste considère que le travail, c'est une marchandise. Donc, il l'achète. Mais la particularité de cette marchandise, c'est qu'elle crée plus de valeur qu'elle n'en coûte. C'est ça, en fait, tout l'édifice de Marx. C'est logique, quand vous achetez une machine, bah, si vous la laissez toute seule dans un coin, cette machine, elle ne va rien créer comme valeur. Mais par contre, si vous achetez une machine et des gens qui travaillent dessus, là, vous allez avoir de la production. Donc, en fait, sans le travail, le capital n'existe pas. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Et c'est, alors, les critiques de Marx disent « Oui, mais l'inverse est vrai. » Ça veut dire que sans capital, le travail, du coup, il s'applique sur pas grand-chose. Là, on pourrait dire « C'est vrai. » Sauf que qui oblige à ce que le capital soit détenu par les capitalistes? Vous voyez, c'est là où on rentre dans quelque chose d'autre. Qui oblige à ce que ce soit une minorité qui contrôle ce qu'on fait du capital? Pourquoi on ne contrôle pas nous-mêmes ce qu'on fait du capital? Et là, ben voilà, c'est une manière assez simple de répondre à cette objection. Ben oui, il n'y a pas de travail sans capital. En fait, il y en a. Hein. Et il y en a eu dans l'histoire, peu importe. Il y a certaines productions qui sont plus ou moins intensives en capital, qui demandent plus ou moins de machines. Typiquement, les services à la personne, ça ne demande pas beaucoup de capital, mais beaucoup de travail. Les métiers du soin aux autres, les métiers du lien, ça ne demande pas beaucoup de capital. Ça demande beaucoup de travail. Un stream, ça demande un peu de capital, des trucs comme ça. Et ça demande surtout beaucoup de travail. Donc quand on vous dit « Oui, mais sans capital, il n'y a pas de travail », tu dis « Très bien, mais alors du coup, c'est nous qui gérons le capital. » Comme ça, le problème est réglé. Voilà. Après vérification, ce stream sur la forme et le fond est meilleur que celui de Gabriel Attal. Son ton, son son est éclaté. Oh, Gabi. Et donc, je reviens à ce que dit Marx. Ce qui reste quand on exploite la force de travail, eh ben, c'est la plus-value, d'accord ? Il y a quelque chose en plus, ce qu'on appellerait le profit chez nous, qui revient au capitaliste. Voilà l'idée. Donc il y a bien une classe, celle qui possède les moyens de production, qui exploite une autre, celle qui ne possède que sa force de travail. Il y a de très jolies phrases hein, de Marx et Engels là-dessus pour décrire la condition ouvrière, est-ce que c'est la classe ouvrière ? Merci Sardocar92 et Lagrange Calverte. Alors évidemment, ça paraît, voilà, on se dit, bon, on enlève les propriétaires fonciers parce que finalement, ils n'ont pas une importance si grande, mais en fait, il resterait que deux classes, quoi. Classe ouvrière d'un côté, et puis la classe capitaliste qui correspond à la bourgeoisie de l'autre. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, nous dit Marx. Il y a des fractions de classe qui nouent des alliances de classe. Donc il y a par exemple l'aristocratie financière, vous voyez ? Donc l'aristocratie financière, c'est les dirigeants de grandes banques, les propriétaires, notamment de ce qui permet d'extraire les matières premières, etc., les grandes mines. Il y a ce qui est pour Marx la partie la plus fondamentale, du coup, des classes dominantes, c'est la bourgeoisie industrielle. C'est ceux qui vont diriger les grandes industries. Pour lui, c'est ça, en fait, qui est la base du capitalisme de son époque. Il faut bien se remettre aussi à l'époque de Marx. C'est justement l'époque de l'explosion des grandes industries, où on met des centaines, voire des milliers de personnes ensemble pour produire des biens de plus en plus complexes, etc. Et puis, il y a aussi la petite bourgeoisie, et là, c'est essentiellement, en fait, les artisans, les commerçants, pour le dire vite, mais qui, du coup, entretiennent des liens de classe particuliers, parce qu'ils se sont alliés avec la bourgeoisie industrielle à des moments historiques, et puis à d'autres, ils ont essayé de s'allier, du coup, avec la classe ouvrière. Vous voyez ? Et ça donne, justement, bah, des alliances de classe et de fractions de classe assez intéressante. J'ai loupé le début, j'ai commencé le capital hier, c'est barbant pour moi. Alors, on va être très honnête, désolé, Marx pas content, le capital c'est ultra chiant à lire de manière générale, mais il y a des moments de fulgurance. Et je trouve que c'est, en fait, si on n'est pas formé à de base, je trouve que c'est pratiquement impossible à lire le capital, tellement c'est lourd, si vous voulez, Marx, il dit, en fait, ce que je vais présenter, c'est un tout. Donc, pour arriver à la logique générale, il faut passer par les différentes étapes du raisonnement. Sauf que les différentes étapes, elles sont ultra lourdingues, quoi, avec une plume hyper dense et tout. C'est vrai que c'est pas facile à lire, quoi. Tu tournes deux pages, puis tu décroches. Mais voilà, il faudrait soit le lire collectivement, soit lire d'autres gens qui ont lu sur Marx. C'est là que ça devient intéressant. Il y a des espèces de guides de lecture de Marx, etc. Et là, c'est pas mal. Ce qui est pas mal, c'est une lecture collective. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Ça existe dans pas mal d'endroits, des lectures collectives de Marx. Et voilà. Ah, c'est une signification de Desproges, je savais même pas, tu vois. Mais c'est pas entièrement faux. C'est vrai que c'est dense, c'est pénible à lire, quoi. Bon. On continue sur nos fractions de classe, là.
Bah, y a évidemment la classe ouvrière, slash le prolétariat, qui n'a que deux bras, qui n'a que ses deux bras, qui mange aujourd'hui ce qu'il a gagné hier. Phrase d'Engels, parce qu'on vous rappelle quand même que la mensualisation des salaires, la négociation collective, vous voyez, toutes ces choses-là, les congés payés, à l'époque où Marx et Engels écrivent le manifeste du Parti communiste, et à l'époque où Marx écrit le Capital, vous voyez, ça n'existait pas encore vraiment ça. Hein. Les grandes conquêtes ouvrières, elles n'étaient pas encore là. Hein. Donc oui, de fait, c'était pratiquement payé à la journée. Ça dépendait, j'imagine. Ça, il faudrait regarder. Il faudrait que je dise plus d'historiens là-dessus, sur comment concrètement on était rémunéré, à quelle fréquence, etc. Mais déjà, là, Marx, et aussi Engels d'ailleurs, ils notent dans différentes publications qu'il y a une segmentation, du coup, des différents ouvriers. Il y a les ouvriers de l'industrie, il y a les ouvriers des mines, qui ne sont pas exactement les mêmes, qui justement n'ont pas les mêmes types de tâches, n'ont pas les mêmes types de rapports avec, du coup, les propriétaires, etc. Les ouvriers agricoles, là, c'est encore différent. Et puis, ce qu'ils ont déjà appelé, eux, les ouvriers professionnels, c'est marrant, c'est ceux qui entretenaient les machines. Donc, il y avait aussi un rapport particulier, non seulement avec la machine, mais non seulement aussi, du coup, avec les propriétaires de ces machines. Vous voyez ? Donc, déjà, ils mettent le doigt sur quelque chose, c'est, finalement, en fait, il y a une certaine diversité, aussi, de la classe ouvrière. Et qu'ils n'ont pas eu le temps, en fait, de pousser cette analyse jusqu'au bout non plus. Le livre 1 est quand même simple. Alors, je dirais pas simple, t'exagères, c'est pas du tout simple à lire, impertinent. Le salarié, c'est vraiment une conquête du XXe siècle. Ouais, ouais, en tout cas, c'est clairement une... Enfin, c'est une construction qui prend tout son sens au XXe siècle, ça, c'est sûr. All my homies hate. Marx, il est en mode pilote automatique, là. Il y a des livres d'analyse d'un livre d'analyse du chaos. Ça, c'est l'enfer. Il y a même des bouquins sur la première phrase du Capital. Et c'est là où j'ai dit, bon, les gars, faut se calmer un peu sur la marxologie, là. On arrête un peu 5 minutes, mais il y a eu dans les années, à partir des années 70, notamment en France, hein, un intérêt énorme du coup pour les lectures sur Marx, etc. Des philosophes qui parlaient beaucoup de ça. Le manifeste du Parti communiste est un bon début, ça c'est vrai. Gagagou Gaga. Je ne m'attarderai pas sur ce nom. Salut Bobby. Mais clairement, ouais, ouais, y a vraiment des choses intéressantes à lire. Il faudrait qu'on trouve le moyen de faire des choses ensemble là-dessus, de lire des trucs collectivement, etc. Bon, je vais réfléchir à des formats. D'accord ? Peut-être pas se taper l'intégrale du Capital, parce qu'il y a quand même les livres 2 et 3, notamment le 3. C'est particulièrement... c'est pas... Tout ce qu'on entend, c'est... Non mais arrêtez de vous appeler comme ça aussi. Je sais pas, appelez-vous Michel ou Pierre-Yves, ou je sais pas moi. Et puis ensuite, nous dit Marx, il y a le lumpenprolétariat. Alors, moi quand j'étais petit, je comprenais jamais ce mot, mais ça me faisait rire quand je le voyais. Le lumpen, vous savez, on dirait un peu les Oompa Loompa dans Charlie la chocolaterie. C'est ce que Marx et Engels appellent le prolétariat en haillons. Vous voyez, donc ça, alors il faut aller lire Les Misérables, quoi, de Victor Hugo. Les exclus, les vagabonds, la surpopulation relative, dirait Marx aussi, qui entretient, et je trouve que c'est vraiment ça, une excellente phrase à retenir, par sa simple présence, la concurrence entre les ouvriers. Et la concurrence entre les ouvriers, c'est évidemment ça qui fait que le mode de production aujourd'hui tient encore. C'est évidemment cette concurrence, mais non seulement entre les ouvriers, mais aussi entre détenteurs du capital, qui fait que tout ça tient encore, et que ça change, etc. C'est vrai que ça, c'est assez fascinant quand on y pense. J'ai entendu une super vieille émission sur France Culture que Lénine lui-même n'avait pas lu tout le Capital, je ne sais pas si c'est vrai. Eh bien écoute, c'est une très bonne question, mais j'irai poser la question à Lénine sur sa tombe. Non, j'avoue que j'en sais rien. Pas de petit ASMR du Capital tous les samedis soirs pour endormir les enfants. Ça, c'est vrai que c'est pas bête. Hein. On pourrait se faire le week-end, on pourrait se dire petit morceau de lecture du Capital pour y aller chapitre par chapitre. Ou alors, ouais, c'est vrai que ça... Bon, on va trouver quelque chose. Ne vous inquiétez pas. En ASMR, ouais, c'est ça. Salut Slade. Mais en fait, il y a déjà, comme il s'appelle, Franck Bruxelles, qui m'a dit apparemment qu'il a déjà fait des trucs comme ça. Il a peut-être une voix plus douce que la mienne. Honnêtement, on peut sauter la partie sur la valeur marchandise, valeur d'échange, la suite sur les conditions... Bah, en fait, ça, t'as pas tort, impertinent, parce que c'est vrai que ça correspond beaucoup plus à quelque chose de... Enfin, on rattache beaucoup plus à l'expérience individuelle, je pense, ça, vous voyez ? Les conditions de travail, etc. Parce qu'évidemment, bon, comme le chantait si bien Jaurès, comment vivaient nos grands-parents ? Nous, on n'y est pas. Et même nos arrière-grands-parents pour moi et nos arrière-arrière-grands-parents. Mais par contre, ça dit quelque chose quoi, sur l'évolution des conditions de travail et sur... Parfois, on se demande à quoi ça... Enfin, certains se demandent à quoi servent les syndicats. Mais pensez simplement à ça. Les conditions de travail, faire en sorte de ne pas se faire éclater au travail, qu'il y ait des standards de sécurité, qu'il y ait voilà, des moments où on dise
même dans l'exploitation, des gens qui se permettent, qui disent stop. Là, ça suffit, quoi. Là, vous comprenez que dans ces petits moments-là, dans ces interstices, ces petites batailles, c'est là que c'est fondamental. Hein. Mais du coup, ce que nous dit, et ça, ça rejoint aussi la théorie de Marx, qui est aussi celle de l'armée industrielle de réserve, l'idée, c'est de dire, il faut qu'il y ait ces gens-là, d'accord, qui soient ce prolétariat en haillons, ce sous-prolétariat, pour mettre la pression sur ceux-là. Ça conduit objectivement à ce que ceux-ci, ils aient peur de devenir ceux-là. Et ça, vous vous rappelez ce qu'on a dit sur la pauvreté lundi avec Denis ? C'est exactement ça. Ça entretient en permanence la peur de devenir, voilà, cette partie-là de la population, quoi. Qui est toujours en plus méprisée dans tous les discours, qui est extrêmement mal regardée, sur qui on fait porter sa propre condition, etc. C'est terrible. Et c'est ça, ça joue évidemment tout ça. Salut Tols. Et puis alors du coup, les deux dernières fractions de classe, la paysannerie parcellaire, donc voilà, hein, en Bretagne, on en connaît quand même une sacrée partie de cette classe paysanne. C'est pas une classe au sens fort, nous dit Marx, et ça c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, on va voir ça juste après, ils sont dispersés, inorganisés et sans ennemi de classe identifié. Ça c'est assez intéressant. En gros, ce que nous dit Marx, c'est que la raison pour laquelle la classe paysanne n'est jamais devenue une classe au sens propre du terme, c'est qu'elle n'avait pas en fait d'ennemi direct, vous voyez. Entre guillemets, elle travaille sa terre et une grande partie de son travail est récoltée, pardon, par la classe paysanne elle-même, quoi, vous voyez. Et elle est isolée du reste de la classe paysanne, puisque chacun est sur son opin de terre, l'autre il est plus loin avec son opin de terre, il travaille sa propre terre, vous voyez. Il y a une individualisation, entre guillemets, autour du noyau familial, quoi, qui fait que c'est pratiquement impossible, en tout cas à l'époque, de faire émerger cette conscience de classe. Et il y a évidemment des choses, à mon avis, à réfléchir, encore aujourd'hui, sur, le rapport au champ. Typiquement, quelqu'un qui est ouvrier agricole, quand il devient exploitant agricole, c'est pas pareil, hein. La relation que tu entretiens avec ta terre, la relation que tu entretiens avec, avec tes créanciers, etc., etc. Vraie question, ça. Hein. Ça induit que la bourgeoisie contrôle l'offre de travail sur le marché pour entretenir cette concurrence, la classe dominante créée volontairement. Alors en fait, justement, Raven, ce que dit Marx, c'est faut toujours rappeler, hein, la logique du matérialisme historique, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément de question de volonté de créer ce sous-prolétariat. C'est la conséquence, en fait, du régime de production. Il faut qu'il y ait, de fait, il y a des chômeurs, d'accord. C'est plutôt comme ça, il n'y a pas de volonté, mais il y a des chômeurs. Et objectivement, ça entretient la concurrence. D'accord ? Il n'y a même pas besoin, si vous voulez, c'est ça la grande différence avec les théories du complot, il n'y a pas besoin que des gens se mettent à 8 autour d'une table en disant « Bon, du coup, on met quel taux de chômage aujourd'hui ?» Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un niveau de chômage qui fait que, de fait, ça rend beaucoup plus difficile, notamment les luttes, etc., parce que il y a toujours cette peur de tomber dans le lumpen prolétariat, quoi. C'est ça l'idée. Et je vous rappelle que, concrètement, ça, c'est pas totalement... c'est pas totalement innocent aujourd'hui, dans les stratégies gouvernementales, etc. Évidemment que la peur du chômage, c'est ça qui retient énormément de monde aujourd'hui. Il y a plein, vous allez rencontrer plein de gens, alors tous ne sont pas convaincus, justement. Faut pas croire que le salariat, parce qu'il fait partie du salariat, ils sont tous prêts à faire la révolution demain, hein, pas du tout. Et même ceux qui sont les plus critiques, même on va dire de manière légère, qui voient bien qu'il y a un problème, que cette vie-là, il y a quand même potentiellement mieux que ça, quoi. Mais ils se disent, mais attendez, t'es marrant, mais moi j'ai mon crédit, j'ai mes gosses, j'ai mon problème, j'ai mes problèmes à gérer, j'ai aucune envie de perdre mon boulot demain, je vais pas me syndiquer pour être discriminé syndicalement, vous voyez, vous êtes bien gentil, mais concrètement, il y a des difficultés qui sont objectives et concrètes. Voilà. Souvenir d'une prof de droit, en fait, qui me disait, MDR, l'armée de réserve du capitalisme, ça n'existe pas, Marx y a dit que des bêtises. Après, cela dit, il y a des critiques de cette notion-là, ça veut dire que l'explication du chômage, typiquement chez Marx, c'est ça, en fait, qui est la base, en partie, des rapports de classe. Donc, c'est soit lié à des crises de surproduction, et soit lié, du coup, structurellement, au rapport de classe. Mais Keynes, typiquement, il dit autre chose. Il dit, le chômage, c'est une insuffisance de la demande dans l'économie. C'est le circuit qui ne fonctionne pas, suffisamment bien. Et puis après, il y a d'autres gens... dont j'espère faire partie à mon maigre niveau, même si je ne suis pas macroéconomiste, mais qui disent en fait évidemment que c'est lié. C'est des histoires du coup de rapports sociaux de classe et derrière aussi des histoires de demandes, de circuits économiques, etc. Moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas opposer Marx et Keynes, mais qu'il faut justement les lier entre eux, créer des ponts. Ça c'est mon petit point de vue qui n'engage que moi. Pour le patronat, refuser les 32 heures, c'est maintenir une armée de réserve. Mais c'est surtout en fait la concurrence.
entre les patrons eux-mêmes qui fait ça. C'est quoi l'objectif d'un patron? Mettez-vous une seconde dans les chaussures d'un patron. Ça passe trop longtemps parce que ça peut faire mal. Bah, évidemment que c'est de produire le plus possible, d'accord, avec le moins de personnes possible, en utilisant le plus efficacement les ressources. Et évidemment que ça coûte moins cher d'avoir un salarié que tu fais travailler plus longtemps, d'accord, que d'en avoir plusieurs. Vous comprenez le truc? Donc l'idée, demain, là, que vont dire les entreprises individuellement? Elles vont dire, bah, moi, je suis en concurrence avec d'autres boîtes sur un même secteur, même au niveau international, il faut que je relance bah, ma propre production. Donc comment je fais? Eh bah, bien, typiquement, je vais essayer de sucrer une semaine de vacances pour rattrapage, ou de faire travailler 39 et 35. Parce que ma volonté, c'est qu'ils produisent plus chez moi, d'accord, que pas que chez le concurrent. Et là, vous comprenez la logique, hein, des politiques de droite, etc., etc. Et donc, forcément, ça dit quelque chose aussi, quoi. Ce que va dire, bah, du coup, ce que vont dire les salariés, c'est, bah non, au contraire, nous, la logique de l'intérêt général, c'est qu'on discute concrètement ce que ça veut dire réduire le temps de travail, pourquoi faire, comment est-ce qu'on réduit le chômage, etc. Mais la volonté d'un patron individuel, c'est jamais de réduire le chômage. C'est de faire le plus de profit possible. Et là, vous comprenez, bah, le conflit de classe, ça n'a pas disparu. Et voilà. Cette dame était par ailleurs adjointe UMP d'une circo. Oui, donc là, effectivement, il y a peu de chances qu'une adjointe UMP d'une circo regarde ce live. Mais sinon, on la salue. Donc, voilà pour la définition objective. Pourquoi je vous ai montré ces petites histoires de fractions de classe, là? Bah, c'est que vous comprenez bien que même chez déjà Marx et Engels de base, il y avait évidemment différents, ils avaient bien vu qu'il y avait des sous-classes, entre guillemets, des fractions, et que ça complexifie aussi l'analyse et la lecture. Économique, Jagger, nous dit Tolls. Non mais celle-là, on ne l'accepte pas. N'hésitez pas à bizuter Tolls sur le chat. Alors non, attention, mais de manière gentille, évidemment. Définition subjective de la classe. Donc évidemment, il n'y a pas qu'une définition objective. C'est pas seulement la place dans le rapport de production. Est-ce que je possède ou pas les moyens de production? Est-ce que je vends ma force de travail ou pas? Voilà. Il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi l'idée d'une classe pour soi. Ça, c'est vachement intéressant. Ce que dit Marx, c'est qu'il dit, bon, la classe, c'est objectivement la classe en soi. Voilà. Vous faites partie de cette classe. Et puis, il y a aussi la notion de classe pour soi qui nécessite du coup qu'on ait une conscience de classe. Il suffit pas de dire objectivement il y a des gens qui font partie de la même classe. Il faut qu'il y ait une conscience de classe. Et la conscience de classe, bah, ça se construit. Ça se construit historiquement. Ça se construit via les luttes sociales. Ça se construit via notamment le lieu de travail, la politisation sur le travail, la socialisation de fait, qu'on pourrait appeler. Donc c'est ça qui est fondamental. Si vous n'avez pas de conscience de classe, et bah, en fait concrètement, votre classe en soi, elle produira pas grand-chose du point de vue historique. C'est ça que nous dit Marx. Et l'autre élément extrêmement important, c'est que la classe sociale se pense toujours par rapport à une autre classe avec qui on est en conflit. Et là, je trouve cette phrase de l'idéologie allemande, elle est très bien. Les individus isolés ne forment qu'une classe que pour autant qu'ils doivent mener une lutte commune contre une autre classe. Donc là, forcément, vous comprenez pourquoi les paysans, concrètement, ne forment pas vraiment une classe. Ils n'ont pas de conscience de classe, nous dit Marx. Je parle de l'époque, hein. 19e siècle. Donc c'est une définition par rapport à une autre dans le partage de la plus-value. Si vous êtes salarié d'une boîte, concrètement, c'est bah, vous recevez le salaire et puis il y a d'autres agents qui ne sont pas vous qui reçoivent du coup bah, le profit. Ou en tout cas une fraction du profit. Les actionnaires, par exemple. Mais là où ça se complique, salut Nimbé, là où ça se complique, c'est que de plus en plus, les salariés reçoivent via l'intéressement, la participation, d'accord, de ce genre de mécanisme aussi d'épargne salariale, et bien du coup quelque chose qui ressemble à une partie du profit. Alors évidemment, c'est extrêmement limité. Quand vous regardez l'actionnariat des grandes boîtes, en fait, vous avez 1% qui revient, d'accord, les actionnaires, c'est 1% des boîtes. L'autre jour, il y avait un député, je crois que c'était un député LR ou LREM, je ne sais pas, de toute façon, je ne sais pas très bien faire la différence, qui disait, chez Sanofi, 90% des actionnaires, c'est des salariés, c'est pratiquement une coopérative. Alors là, il y avait un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, de la France Insoumise, qui dit, mais vous êtes sûr de vos chiffres? Alors, moi, j'étais devant mon petit poste à ce moment-là, et j'ai dit, alors lui, il a fumé du très très mauvais crack, je ne sais pas où il était trouvé ses chiffres. Les principaux actionnaires, c'est L'Oréal, c'est BlackRock, c'est des trucs comme ça. Et en fait,
il s'est planté, si vous voulez, c'est que il y a 90% des salariés qui ont ce genre de dispositif d'intéressement, etc. Mais ça fait pas deux, 80, ça veut pas dire que 90% des actionnaires sont des salariés. Sinon, de fait, c'est pratiquement une scope, oui. Donc voilà, faites attention quand vous allez à la télé. Ne racontez pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Faites gaffe. Paysan, une simple addition de grandeur de même nom, à peu près de la même façon qu'un sac rempli de pommes de terre forme un sac de pommes de terre. C'est violent. Hein. Mais oui, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience de classe, quoi. Mais c'est une vraie question, hein. Encore aujourd'hui, je pense, sur les liens qu'il y a avec le monde agricole, etc. Vous voyez, typiquement, même d'un point de vue syndical, la Confédération Paysanne, c'est une organisation d'exploitants agricoles. Et typiquement, quand on est salarié agricole, on ne peut pas faire partie de la Confédération Paysanne. Donc il y a des trucs très curieux, quoi. C'est que des gens sont à la CGT pendant longtemps en tant qu'ouvrier agricole, et puis ensuite rejoignent la Confédération Paysanne ou gardent les deux affiliations. Enfin, il y a des trucs assez curieux, quoi. Donc voilà. Alors, donc définition par rapport à une autre dans le partage de la plus-value. La plus-value, c'est aujourd'hui ce qu'on appellerait le profit, mais en fait c'est aussi du coup la valeur ajoutée, concrètement. De cette contradiction émerge une communauté, nous dit Marx, puis une conscience de classe, et de cette conscience de classe naît quelque chose comme l'organisation politique, ou du coup plus tard syndicale, vous voyez, ou les deux, si on est motivé. De toute façon, les deux sont liés, en tout cas objectivement. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, vous voyez. C'est ça que nous dit Marx, c'est que la classe, c'est pas seulement quelque chose d'objectif, comme on ferait aujourd'hui quand on regarde les catégories socio-professionnelles, enfin les professions catégories socio-professionnelles, c'est pas seulement dire, bah voilà, toi tu fais partie de cette classe. C'est aussi une histoire de conscience, subjective et collective aussi. Chez Sanofi, c'est moins de 2% de parts détenues par les salariés. Ah oui, c'est 1,6% je crois, chez Sanofi. Comment peut-on penser comme un mec de droite? J'arrive pas à comprendre leur démarche intellectuelle, leur idéologie. Bah si, si, il y a des choses. Je pense que par exemple, c'est de dire... Ce qui fait la richesse du pays, c'est en gros l'espèce de caractère exceptionnel de certaines personnes qui émergent. Alors ça peut même être en lien avec une certaine idée de ce que ce serait la République, vous voyez, avec un espèce de truc de ça, on choisit les meilleurs. Bon, on voit la gueule des meilleurs aujourd'hui avec la République en marche. Hein. Mais l'idée que une minorité plus forte que les autres fait bénéficier aux autres, vous voyez, de son espèce de génie. Donc en fait, on nie complètement le caractère collectif de toute production, et même de la production des génies par ailleurs. N'oublions jamais qu'un génie sort pas de nulle part. Il sort d'une configuration sociale, historique, il a fait des études, il a vu des profs, il a rencontré des gens, ses parents avaient plus ou moins de chance, etc., etc. Mozart, si vous voulez, quand il a composé ses premiers trucs à l'âge de 4 ans et ensuite 6 ans, je dis ça parce que j'aime beaucoup la musique, même si c'est un truc de Bourges, la musique classique, on va pas se mentir, si vous voulez, son père, qui s'appelle Wolfgang... Non, il ne s'appelle pas Wolfgang, il s'appelle comment déjà? Quelqu'un peut fact-checker comment s'appelait le père de Mozart? J'ai oublié. Mais il l'a foutu, si vous voulez, dans des trucs partout, en lui faisant jouer à les yeux fermés. J'ai moi-même des notes de piano du père de Mozart qui, du coup, lui enseigne les rudiments. Léopold, voilà, c'est ça, merci. Et donc, ça ne sort pas de la cuisse de Jupiter, cette histoire. Et puis, en parlant de Jupiter, vous voyez, notre président, il incarne vraiment cette logique de droite. Les premiers de cordée, voilà, c'est eux qui, du coup, par leur génie, investissent, et puis du coup, créent de la richesse, et puis nous, on devrait être contents, parce que sans eux, vous comprenez comment on ferait. Alors là, il y a un truc, une autrice qui est très connue, enfin, très connue, en tout cas en économie, qui s'appelle Mariana Mazzucato, et qui, elle-même, si vous voulez, dit, mais en fait, ça n'a aucun sens, vous prenez... donc elle, c'est une autrice qu'on pourrait qualifier de keynésienne, un peu, voilà, centre-gauche, un truc comme ça, peu importe. Concrètement, elle dit, bon, on parle beaucoup de l'innovation comme étant le résultat de quelques génies, voilà, à qui, voilà, en fait, le prix à payer pour avoir ces génies, c'est qu'ils aient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est ça la théorie du ruissellement. Ils ont beaucoup d'argent, mais grâce à eux, nous, on bénéficie collectivement, vous voyez, des avancées sociales. Merci, merci mon bon maître. Mais en fait, quand vous regardez, vous prenez un iPhone, vous ouvrez un iPhone, salut Fox. Vous regardez tout ce qu'il y a dedans en termes de composants et vous regardez toutes les technos qu'il y a derrière. Mais en fait, la quasi-totalité de ces technologies sont d'abord issues de dépenses gouvernementales. Le GPS, les puces électroniques, etc. Tout ça, c'est de l'argent public, quoi. Donc l'idée de dire, c'est quelques génies qui, par magie, émergent et ont des bonnes idées, voilà. Vous regardez le web, vous regardez Internet, etc. C'est évidemment toujours des processus collectifs. Et plus on s'en rend compte, plus on se rend compte aussi que en fait, il y a un moment, on n'a pas besoin de ces quelques soi-disant génies.
Et on pourrait très bien collectivement, vous voyez, bah, gérer nous-mêmes nos affaires. Et là, c'est, ça pose d'autres grosses questions. Mais voilà, les gens de droite, ils disent, il y a certaines personnes qui sont meilleures que d'autres, et qui du coup émergent comme ça, et il faut favoriser l'émergence de ces personnes, parce que ça bénéficie à tout le monde derrière. C'est un peu bête. Mais bon, peu importe. Ils ont le droit de le penser. Et donc voilà. On comprend du coup pourquoi la paysannerie ne forme pas une classe, groupe isolé, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. Mais ça donne un petit peu un truc comme ça. Merci Poplit34. J'en profite pour vous dire, n'oubliez pas de me follow. Et si vous voulez ou pouvez, de devenir cotisant à cette chaîne en se banc. Situation des classes et fraction de classe. Donc vous voyez, là c'est juste pour vous dire que il y a effectivement des liens qui peuvent s'opérer. Ici, entre aristocratie financière et grand propriétaire foncier à un moment, entre bourgeoisie industrielle et aristocratie financière, entre bourgeoisie industrielle et petite bourgeoisie, entre petite bourgeoisie et classe ouvrière, vous voyez, c'est des choses qui sont complexes à analyser, quoi. N'oubliez pas de vous syndiquer, ça, c'est sûr. Mais l'idée de ce que nous dit Marx, c'est que la logique devrait tendre vers une polarisation. Donc ceci, petite bourgeoisie, devrait tomber, entre guillemets, dans la classe ouvrière, qui formerait du coup un grand tout, hein. Ce serait la classe ouvrière. Ceux qui prendraient l'ensemble, du coup le pas, ce serait la bourgeoisie industrielle qui deviendrait du coup la classe capitaliste dominante. D'accord ? L'aristocratie financière devrait aussi petit à petit disparaître pour se fondre avec celle-ci. Et ceux-là, pareil, les grands propriétaires fonciers, leur place devrait aussi progressivement disparaître au profit de ceci. Vous voyez, l'idée c'est, il y a une évolution entre guillemets de ce que c'est la bourgeoisie. Mais alors attendez, parce qu'il y a... Il y avait justement une jolie phrase là-dessus que je pourrais peut-être vous retrouver. Qui est pas mal pour comprendre ça. Alors. Voilà, je l'ai. Et c'est aussi ça sous l'impulsion de la modification de ce que sont les classes dominantes. Des commerçants devenant capitalistes instaurent de nouveaux rapports de production qui dominent peu à peu toute la formation sociale. À votre avis, tiens, petit jeu, qui sont aujourd'hui ces grands dominants qui sont en train de modifier en profondeur nos rapports sociaux? Je laisse deviner, mais il y a quelque chose qui se passe là. C'est qui les grandes figures aujourd'hui? Le livre, c'est celui-là. La sociologie de Marx de Jean-Pierre Durand. Un petit repère tout mignon. Bah, les GAFA, évidemment, c'est exactement ça. Des commerçants devenant capitalistes instaurent de vos rapports de production qui dominent là. L'ancien mode d'exploitation féodale ou corporative de l'industrie ne suffisait plus aux besoins qui croissaient sans cesse à mesure que s'ouvraient de nouveaux marchés. D'accord ? La manufacture prit sa place, mais les marchés s'agrandissaient sans cesse. La demande croissait. La manufacture, à son tour, devint insuffisante. Alors, la vapeur et la machine révolutionnèrent la production industrielle. On passe de la manufacture, voyez, avec des classes dominantes spécifiques de l'époque, à ensuite la grande industrie moderne, qui supplante la manufacture. La moyenne bourgeoisie manufacturière céda à la place aux millionnaires de l'industrie, aux chefs de véritables armées industrielles, aux bourgeois modernes. Et à votre avis, si on applique un peu ce genre de raisonnement aujourd'hui, bah on constate qu'il y a par exemple un changement dans, enfin en tout cas dans ce qu'essaye de faire le capital, hein, la grande industrie, pour caricaturer, on va dire l'industrie aéronautique, il y a ceux qui détiennent le capital sont en train de le déverser au moins en partie chez les GAFA, et il suffit de regarder les cours en bourse pour s'en convaincre, et le rapport social principal qu'ils ont tenté d'instaurer, c'est quoi? Bah, c'est le travail plateformisé. C'est les micros, c'est chez nous les auto-entrepreneurs, les statuts précaires, sans sécurité sociale, etc. Donc, une des manières de penser ça aujourd'hui, c'est de se dire, le capital est à la manœuvre, et donc du coup les classes dominantes d'aujourd'hui, qui sont pas les mêmes que celles d'hier, pas forcément les mêmes grands capitales d'industrie, etc., sont en train de modifier aussi, de manière générale, les rapports sociaux, mais regardez jusqu'à notre consommation. Parce qu'évidemment, Amazon, ça sort pas de nulle part non plus. Uber, ça sort pas de nulle part. Il y a aussi un lien entre production, consommation et l'ensemble de tout ça. Et je pense que c'est ça qui est hyper intéressant. C'est pour ça que c'est toujours aussi intéressant de lire Marx aujourd'hui. C'est que ces choses-là, en fait, n'ont pas complètement disparu. Alors évidemment, ce que nous dit Marx, c'est que, à l'époque, hein, je parle pour le coup, je reviens au 19e siècle, il y avait une vision prophétique. D'accord ? Une vision un peu messianique, même limite, voilà, on arrive vers la fin de l'histoire. Il y aura une polarisation entre ces deux grandes classes, un antagonisme si profond que ça devrait déboucher du coup sur la prise des armes et puis sur la disparition du capitalisme. Bon, bah, de fait, on n'y est pas. On peut être le plus gros des marxistes, moi j'en connais plein, hein, et le plus gros rouge politiquement qu'on veut. Le fait est que là où on en est aujourd'hui, bah, on n'y est pas, quoi. C'est comme ça.
Alors on peut se demander pourquoi, on peut se demander c'est la faute de qui, ça c'est la grande passion aussi, de se tirer dans les pattes entre gens de progrès, dire que voilà, maintenant il faut faire comme ci, comme ça, tout le monde a plein d'idées, certains très très dogmatiques, ils ont la solution clé en main, alors moi je ne l'ai pas, mais chacun fait ce qu'il veut, et pense comme il veut. Mais ce qui est sûr, c'est que le capitalisme, il résiste, il change et il mute régulièrement, ça c'est hyper important à comprendre. Et il est en train de changer, de muter aujourd'hui. Ça aussi c'est important à comprendre si on veut savoir contre quoi on se bat, quoi. C'est que, vous voyez, c'est un peu le film de Carpenter, là, c'est ça, un Carpenter, c'est The Thing. Il passe de main à différentes mains. Il fait des concessions aussi. Le capital fait toujours des concessions. Et puis surtout, ça change. C'est pas du vin, le gros rouge, si, si. Ça donne soif, d'ailleurs. Mais voilà ce que disait Marx, c'était ça. Ces fractions vont finalement se polariser à tel niveau qu'on aura deux grosses classes qui seront tellement antagoniques, d'accord, qui auront tellement des intérêts divergents, qui finiront nécessairement par rentrer en conflit. Et donc derrière, ça donnera quelque chose comme un nouveau mode de production. Évidemment, dans la logique de Marx, c'était quoi? C'était le communisme. C'était ça l'idée. Merci Nixomatose, merci Sylvester Saline. Quel nom merveilleux, Sylvester Saline. Parfois, je regarde vos noms et j'aimerais les avoir. J'aimerais avoir eu ces petits jeux de mots dans ma tête. Merci Puitpi, vos follow. Les islamo-gauchistes, ah oui, ça c'est la grande mode. Évidemment, il y avait une, c'était marrant, une vieille qui avait 75 ans, qui parlait justement de l'université gangrénée par les judéo-maçonniques. Bah, vous voyez, on est sur le même type de discours. Alors, évidemment, cette vision, elle est historiquement située. Et elle correspond, tu aimerais être économiste pour la glorieuse CGT. Bah écoute, peut-être un jour, hein. On peut imaginer quoi comme prochain type de capitaliste? Je vois bien un truc avec l'humain augmenté. Bah, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit, c'est clairement, en tout cas, qu'il y a quelque chose qui se passe du point de vue des GAFA, qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, c'est, en fait, ma thèse, c'était très modestement quelque chose comme ça. Une extension de ce qu'on pourrait appeler le travail productif. Une extension de ce qui peut permettre de générer du profit. Et alors bon, là-dessus, il y a des débats, hein, très actuels, très... Je n'ai pas du tout toutes les réponses, mais en tout cas, on vit des transformations. Et sur quoi ça va déboucher, c'est forcément un peu délicat. La vision de Bakounine est différente, oui. Alors il y a tout un tas de visions différentes de conflits après ça, hein, qui vont venir, des lectures différentes aussi de Marx, etc. Je vous donne vraiment, là, c'est la base de la base. Hein. Donc, juste pour vous dire, cette vision est située historiquement et correspond à ce qu'observent Marx et Engels au 19e. Mais l'idée centrale là-dedans d'exploitation, eh ben, elle garde toute sa pertinence, ça existe encore. C'est pas seulement un truc moral, c'est très concret. C'est qu'il y a des gens qui gagnent, voilà. Il y a des gens qui ont des revenus qui ne viennent pas du travail. Il y a des gens qui cumulent énormément de patrimoine, notamment en actions, et qui ont énormément de pouvoir aussi sur la décision stratégique. Évidemment, la grande nouveauté depuis du 20e siècle, c'est les firmes multinationales. Et ça a radicalement changé la donne aussi. Et ça a radicalement changé les rapports de production, mais aussi les rapports de concurrence. Puisque maintenant, la concurrence, elle est étendue pratiquement à l'infini, quoi. Et c'est ça qui rend aussi le combat très très difficile, hein, pour des syndicats, notamment, qui eux sont situés, d'accord, dans un état-nation, de fait. Et il suffit pas de dire, bah voilà, on va se mettre ensemble avec les autres pays. Il y a des difficultés concrètes sur ce que ça veut dire, ne serait-ce que dans un même groupe. Je parle des grands groupes multinationaux, là. Ça, c'est compliqué. Hein. Et alors maintenant, on va passer à Eric Olin-Wright, qui propose d'ajouter d'autres dimensions, d'accord? Donc l'idée de base, c'est, est-ce que vous êtes propriétaire ou pas des moyens de production? Voilà, c'est ça l'idée. Pour rendre compte de la diversité dans le salariat aussi. Ça, c'est fondamental. Donc il va dire, il y a trois éléments, en fait, qui sont fondamentaux. C'est la propriété des moyens de production, ça change pas. Mais c'est aussi les compétences, du coup, et les diplômes. Chez nous, on parle plutôt de qualification. Ça change aussi quelque chose. Et c'est le pouvoir et la latitude que vous avez dans l'organisation. Et il va nous dire, bah, du coup, c'est ça, en fait, qui explique aujourd'hui le fractionnement, en partie, des classes sociales, tout en maintenant la logique de l'exploitation. Et ça donne un truc comme ça. Alors là, vous allez peut-être pas bien le lire. Tant pis, je bougerai progressivement. Donc vous avez toujours les trois critères qui sont là. Voilà ce que nous dit Wright. Vous avez la bourgeoisie, d'accord, qui possède un capital suffisant pour embaucher et ne pas travailler. Ça existe toujours. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? Vous avez des gens, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas bossé un jour dans leur vie et ils n'auront pas besoin de bosser un jour dans leur vie. Ça, c'est clair.
Et paf, Indeed. Vous avez le petit employeur qui possède, lui, un capital suffisant pour embaucher, mais qui doit quand même travailler. Vous voyez, c'est déjà, même dans les, entre guillemets, les classes qui possèdent le capital, il y a déjà des distinctions. Et puis le travailleur indépendant, ce que lui, il appelle la petite bourgeoisie, ça j'adore quand les Américains ou les Anglais ils disent bourgeoisie, c'est qui possède un capital suffisant pour travailler, mais insuffisant pour embaucher les salariés. Bah voilà. Et là, vous voyez que là-dedans, si on met les... En fait, on peut même pas mettre les chauffeurs Uber là-dedans. Ils n'ont même pas un capital suffisant pour travailler. Ils possèdent même pas la bagnole qu'ils conduisent. Bon. Et puis après, vous avez du coup les salariés, qui eux n'ont pas les moyens de production. Bon, en fait, c'est encore plus compliqué parce que ils ont des éléments, entre guillemets, de rémunération du capital maintenant, via ce que je vous ai dit, l'épargne salariale, tout ça. Et ça, ça produit des choses très concrètes, je leur dirai un mot après. Il y a ceux qui, du coup, ici, ont soit beaucoup de diplômes, compétences, que vous voulez, moyens ou peu, bon. Et ici, ceux qui ont, d'accord, du pouvoir ou de la latitude dans la production, beaucoup, moyens ou peu. Et puis ça donne, du coup, un espèce de tableau comme ça. Ceux qui sont ici, ce que Wright appelle les expert managers, bah c'est ceux qui ont beaucoup de diplômes et qui ont beaucoup de pouvoir ou de latitude dans l'organisation. Mais ils sont quand même salariés. Donc là, vous avez en gros les top managers, les mecs qui ont fait HEC, tout ça, quoi. Ici, ceux qui ont beaucoup de diplômes mais un peu moins de pouvoir, bah c'est les contremaîtres, entre guillemets, c'est le second rang, quoi. Les experts superviseurs. Et puis ici, vous avez les experts non managers. Oui, vous me demandiez tout à l'heure si je me considérais comme étant de la classe ouvrière. Moi, je suis sûrement... Ouais, je suis quelque part... je suis par là, moi. On va pas se mentir. Hein. Ah non, je suis peut-être plutôt... Ah si, parce que j'ai beaucoup de diplômes, j'ai une thèse et machin. Et bon, après, bon, c'est un peu particulier. C'est pas comme si j'avais vraiment du pouvoir de... Je suis pas un manager, hein, mais concrètement, on est une équipe, tout ça, nanani. Et bon, voilà, je suis quelque part par là. Ah non, le Uber Eats, il n'est pas du tout là-dedans, c'est sûr. Donc justement, vous voyez qu'il faut toujours, c'est ça, moi, je pense qu'il est important, il faut s'appuyer sur les anciens, comme Marx, voir l'intérêt du cadre et toujours travailler aussi à renouveler le cadre. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas se laisser enfermer, vous voyez, dans l'espèce de « bam, j'ai deux, trois phrases et puis pouf, voilà la réalité, quoi. » On est obligé. Manage-nous, Mathieu. Jamais, je m'y refuse. Vous avez ceux qui ont beaucoup de latitude dans la boîte, mais qui n'ont pas beaucoup de diplômes, ça ce serait par exemple un manager dans une PME par exemple, typiquement. Vous avez des superviseurs dans les PME et vous avez du coup, on va dire, je sais pas moi, un ouvrier qualifié dans une PME, quelque chose comme ça. Je caricature. Là, vous avez ceux qui n'ont pas beaucoup de diplômes, mais beaucoup de pouvoir ou de latitude dans l'organisation. Typiquement, ce serait quelqu'un qui gère un magasin par exemple, vous voyez, un Carrefour, un truc comme ça. Alors, sauf que maintenant, ils ont tendance à être aussi par ici. Bon, peu importe. Là, vous auriez, du coup, un chef de rayon, un truc comme ça. Et puis là, vous avez, du coup, ceux qui ont peu de diplômes et presque pas de pouvoir. Voilà, bah, c'est les prolétaires, quoi. Ça fait très start-up, les noms. Bah, en fait, c'est les noms qu'il utilise à partir, justement... En fait, t'es obligé de créer, du coup, des catégories à un moment. Et il les a créés à partir de ce qu'il observait concrètement aussi dans le travail, quoi. Donc, voilà. Merci, Nature Profonde et Nimbé. Moi, je suis manager sur ma fiche de poste, mais je sais pas si c'est la même définition. Bah, si, tu dois être quelque part, je pense, parce que toi, en plus, tu as des diplômes. Ouais, tu es quelque part par là, je pense. Soit tu dois être... Ouais, je dirais que tu es là, sûrement. Bah non, tu as beaucoup de diplômes, toi, non? Je sais plus. Tu dois être expert superviseur, un truc comme ça. Sauf qu'évidemment, les écarts de rémunération entre tout cela, et notamment entre le prolétaire d'un côté, rappelez-vous, on a fait le live sur les classes moyennes, l'écart de rémunération entre le prolétaire d'un côté... Et puis, si vous montez jusqu'à l'expert non manager, ils sont en fait relativement faibles. Hein. D'accord? Assistant to the regional manager. Ouais, ça, c'est génial. Ça existe en français, ce tableau? Bah, je ne l'ai pas trouvé, mais j'essaierai de le trouver, si tu veux, Mac Bouture. Mais malheureusement, non. En tout cas, je ne l'ai pas, moi. Merci, le valet. Merci, blaireau enragé. Blaireau enragé. On rappelle que le blaireau est un animal très noble. Je rappelle que dans les Côtes d'Armor, un certain Bernard Hinault, quintuple champion du Tour de France, était surnommé le blaireau. Magnifique. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'une fois, mon propre manager à moi, certains hommes à moustache, il arrive et il me dit ça, le blaireau. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Comment ça, il m'appelle le blaireau? Il dit, ah non, mais le blaireau, comme Bernard Hinault. Et je peux vous dire, ça va bien calmer. Pas mal diplômé, mais pas du tout plus suite. Ouais, mais tu vois, mais plus suite,
ours blaireau. Ouais, c'est peut-être une forme de, d'ours, hein, les blaireaux, j'en sais rien. Quand t'es bac plus 8, mais que t'es genre complètement précaire en thèse, etc., enfin après ta thèse, et que tu gagnes, ce qui est souvent le cas, hein, 1700 balles par mois, hein, tu vois, il n'y a pas seulement. T'as beaucoup de diplômes, mais par contre, t'as pas du tout d'atout dans les moyens de production. Donc vous voyez, l'idée, c'est de complexifier un peu la logique. Alors, il y a évidemment, là, on a fait les grandes bases, hein, de ce que dit Marx, et on n'en a pas fini avec les classes. On parlera après de ce que dit, je vais vous remettre ça en grand écran, vite fait, on parlera de... 5 blaireaux versus un ours, ça donne quoi? C'est vraiment plante versus zombie. J'avais entendu dans Par Jupiter, il est pas trop de gauche. Qui ça, Eric Olinwright? Ouais, non, mais il y a vraiment des... Enfin, en tout cas, il est... Tu parles de qui, Matt? Le blaireau, c'est... Ah, tu parles de... comment il s'appelle? De Bernard Hinault. Oui, Bernard Hinault, il est pas vraiment de gauche, non. Mais tu sais, en Bretagne, c'est pas vraiment une terre communiste non plus, hein. Enfin, faut être honnête avec d'autres régions, hein. Je parle pour chez moi, hein. Voilà. Alors, attendez, parce que là, on est en train de parler, du coup, des caractéristiques zoologiques des blaireaux. N'hésitez pas à me dire. Ah ok, oui, Bernard Hinault. J'ai cru utiliser Eric Olinwright. Donc, on continuera cette discussion autour, non pas d'un verre, même si j'aimerais beaucoup faire ça autour d'un verre, mais des classes sociales, en croisant avec d'autres analyses, du coup, forcément. Notamment celle de Max Weber, ça c'est aussi un type absolument génialissime. Un bouquin de lui, hein. Dans mes petits bordels, oui. Qui a écrit notamment ceci. Hop, Le savant et le politique. Mais pas que, il a aussi écrit, évidemment, L'éthique protestante. L'esprit du capitalisme, c'est un type absolument génial. Mais ce que Max Weber, du coup, lui, il dit que finalement, il n'y a pas seulement la question des classes sociales, il y a aussi la notion de statut social, et ça, c'est encore autre chose. Maurice Halvax, lui, ça c'est plutôt quelqu'un, c'est un Français, qu'on pourrait rattacher à Durkheim, un autre grand auteur. Théorie, lui, du feu de camp, donc avec l'idée qu'il y aurait des valeurs centrales qui seraient celles de la bourgeoisie ou des classes dominantes. Et puis petit à petit, en fait, plus on s'éloigne du feu de camp, plus du coup on est éloigné des classes dominantes. Et Pierre Bourdieu, évidemment, alors je peux même pas résumer, mais il a c'est parmi... Oula, je change tout de suite cette musique horrible. Il a été extrêmement important dans la définition des classes, du statut, et en fait il a essayé de reconstruire tout ça ensemble, c'est tout à fait intéressant, on le fera. Et puis il faudrait aussi éventuellement qu'on discute des PCS, vous savez, les professions et catégories socioprofessionnelles, parce que si vous regardez les tableaux de l'INSEE, bah forcément, il y a tout un ensemble, il y a une nomenclature, on appelle ça, il y a les employés, il y a les artisans, il y a machin, sauf que bah, créer du coup des classes, entre guillemets, essayer de le faire objectivement, bah, c'est forcément jamais objectif, c'est forcément une vision qu'on a de ce que c'est la société, de comment c'est divisé, tout ça, ce sera intéressant. Puis il reste bien sûr la fameuse question de la classe moyenne, ça je rentre pas là-dedans tout de suite, mais on en a déjà un tout petit peu parlé, quand on a relu des articles sur ces fameux 4000 euros, tout ça. Max Weber, les fourmis, tout ça, ouais, c'est ça, exactement ça. Moi, j'ai un autre Booba versus Karis. Je suis originaire de Sainte-Bretagne. Ah oui. Oui, bah moi aussi, hein. Complètement. Voilà pour ça. Bon, j'espère que ça a été. C'était évidemment un peu trop... mais bon, les slides, c'est toujours comme ça. On est obligé de... J'espère que c'était relativement clair, au moins sur ces bases-là, et que ça vous a donné à penser. Si vous ne répondez pas oui, je boude. Je plaisante. Donc du coup, après, on va... pardon, pas du tout faire ça. Hop. On va lire le papier. Loudéac, oh là là. On connaît bien Loudéac. C'est clair, très intéressant. JPP, il n'a que pour les Bretons. Mais oui, arrêtez les Bretons, ça suffit. Ça, c'est vraiment les Bretons. Et qu'est-ce qu'on aime dire qu'on est Breton? C'est assez fou, quand même. Hein. Du coup, j'ai pas compris. C'est qui Marx? Ah bah, très bonne question. C'est qui Marx? Alors, Marx, là, tu sais, je me mets à lire 40 pages. Le petit Marx est né. Hein. Alors, en plus, c'est même pas une connerie. Marx, il est né à Trèves, en Rhénanie, d'un père avocat libéral d'origine juive, converti au protestantisme. Marx fait des études de droit et de philosophie. Membre du cercle des Hegeliens de gauche, alors ça devait être un cercle assez curieux, hein. Il ne parvient pas à obtenir une chaire de professeur et devient directeur de la Gazette Rhénane, bientôt interdite. Il émigre à Paris où il fréquente des cercles d'ouvriers socialistes. Il devient communiste, écarte l'idéal de la fraternité socialiste religieuse et pense la révolution ouvrière comme libératrice de l'humanité. Il y rencontre Friedrich Engels, qui deviendra son compagnon de lutte,
et de recherche future. Donc en fait, Engels, c'est celui qui lui a tout payé à Marx. Il a dit, t'as besoin de pognon pour écrire le Capital ? T'inquiète, c'est pour moi. Expulsé en 1845 par Guizot, il s'installe à Bruxelles, il fonde la Ligue des communistes, première organisation ouvrière internationale, puis rejoint Cologne pour y organiser le mouvement socialiste. À nouveau expulsé en 1849, il se réfugie à Londres, où il restera jusqu'à sa mort. C'est là où il a écrit le Capital, en tout cas il a préparé les grandes pages du Capital. Il participe à la fondation de la première association internationale des travailleurs, suit attentivement toute la lutte ouvrière en Allemagne, en France, la Commune notamment en 1871, en Russie, etc., et ne cesse de publier textes et articles pour faire prévaloir ses thèses dans le mouvement ouvrier international. Et Engels, lui, du coup, il est aussi né en Rhénanie, c'est un fils d'industriel filateur, étudiant en philosophie lui aussi. Lui aussi, il fréquente des cercles hegeliens, machin, ça on s'en fout un peu. Il y rencontre la misère ouvrière quand il était ensuite à Manchester et ne tarde pas à se transformer en révolutionnaire socialiste. Dans sa collaboration avec Marx, Engels restera très discret sur ses apports, imputant à Marx toutes les découvertes théoriques. Ça, c'est genre le type, vous vous rendez compte ? Il a littéralement écrit la fin du livre 3 du Capital. Certains disent même qu'en fait, il aurait modifié des parties du Capital et il s'est toujours mis en retrait, quoi. C'est assez balèze, hein. On va faire une émoticône blaireau à ce rythme, complètement. Breton, première mafia de France, 100%. Je finis juste sur Engels. Or, que ce soit dans la rédaction commune de l'idéologie allemande en 1845 ou dans le soutien théorique d'Engels à la préparation du Capital, le marxisme est tout autant redevable à Engels qu'à Marx. Participant lui aussi à la fondation de la Première Internationale, il en devient le dirigeant effectif et intervient dans la création des partis socialistes européens. À la mort de Marx, Engels publie les livres 2 et 3 du Capital à partir des premiers textes et des notes de Marx. Il montre ses capacités d'épistémologue, donc épistémologie, c'est la science des sciences. C'est savoir ce que ça veut dire une science, l'épistémologie. Qu'est-ce qui fait que je suis une science ou pas ? Vous connaissez sûrement des gens comme Karl Popper. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que quand j'étais en Master 2, il y avait une conf où il y a un type qui était... Il pensait vraiment avoir tout lu sur tout. Vous connaissez ce genre de type. Je le connais bien parce que j'en ai fait partie un moment aussi, avant d'avoir des bonnes claques d'humilité dans ma petite tronche de vaniteux. Et il a dit, comme le disait le fameux Karl Poppers, et j'étais mort de rire. Voilà. J'ai explosé de rire dans la salle. C'était d'ailleurs avec Frédéric Lordon. Ça remonte, ça. Il montre ses capacités, machin, et les apports, et rupture théorique, bon, voilà, peu importe. Mais là, très clairement... On est sur du bon copain, Engels. Voilà. Engels, merci Bakrili, Shajarat et Poka pour vos follow, Bob Joe aussi. Mec, il a tout payé. Voilà, c'est quand même sympa. Le mec est sympa. Merci Engels. On va passer à ce petit monsieur qui a une belle chevelure. Le fameux effet Dunning-Kruger. Ça m'a toujours fait rire cette ironie sur Marx qui s'est fait financer par un héritier d'un industriel. Bah oui, bah c'est ça. Hein. N'oubliez pas Rosa Luxembourg, elle a beaucoup participé. Ouais, mais il faudra qu'on parle un moment, je pense. Je ferai un stream sur les grandes figures. Parce que c'est vrai qu'elles sont pas très connues, à part dans les cercles militants et encore, on va dire, les cercles intellectuels militants. Rosa Luxembourg, Bakounine, tout ça, c'est vrai que c'est des gens pas du tout connus. Et pourtant, fondamentaux. Surtout Rosa Luxembourg. Hein. Absolument brillante théoricienne aussi. Du coup, Ah, du coup, c'est pas un stream sur Groucho Marx ? Vous me tuez. Tout ça parce que c'est une femme ad Heine. Ah oui, pardon. Ouais, non, mais oui. Rosa Luxembourg, c'est effectivement quelqu'un de fondamental. On en discutera. Mais il faut que je relise aussi des choses là-dessus. C'est vrai que c'est... Mes lectures sont un peu, parfois, un peu éloignées. On va pas se mentir. Vous êtes chaud pour l'article ou quoi, là ? Mais est-ce que vous en voulez encore ? Dommage que j'ai pas un stream deck, je ferai des petits sons de fête foraine. Ouais, ouais, ouais. Alors. Non, ça, c'était pas un son de fête foraine, c'était plutôt... comment s'appelle-t-il ? Patrick Sébastien. Eric Olin Wright. Reconstruire le marxisme. Rien que ça. Donc, un article de Hugo Paletta. J'arrive à poster le lien, mais bien sûr. Pourquoi j'oublie toujours ? Mais c'est bardi, c'est ça. On est parti. Donc disparu en janvier 2019, rest in peace, Eric, le sociologue américain Eric Olin Wright a consacré sa vie à échafauder les bases d'un avenir post-capitaliste de l'humanité. Donc déjà, vous voyez, le type, il s'est pas donné, comment dire ça, une ambition petite.
en repensant les rapports de classe et leur transformation à l'aune d'un marxisme renouvelé par l'enquête empirique. Et ça, c'est quand même la classe, parce que sont bien beaux nos amis qui passent leur temps à lire les textes, mais lui, il a été sur le terrain, et moi j'aime les gens qui vont sur le terrain. Donc, il est décédé à 72 ans. Ah oui, voilà, j'allais dire merci Frontoche, le film Le Jeune Marx, qui raconte pas mal la relation Marx-Engels, c'est excellent. Lien YouTube me dit 404 not found, mais ça m'énerve beaucoup ça. Mais enfin, en fait, une fois que j'aurai une bannière, ça arrive bientôt. Non, c'est pas là. Vous pouvez voir que je regarde évidemment des vidéos de batterie, des vidéos de Guilty Gear et du coup des vidéos de Philippe Martinez, semble-t-il. Ça devrait marcher, non? Donc ouais, le film Le Jeune Marx, très bien. Mais limite, on pourrait se faire un visionnage collectif, un de ces quatre. Attention, sondage. Visionnage collectif, bonne idée ou mauvaise idée? Gérer les sondages. Ah non, si je fais voir le résultat sans avoir même fait de... Visionnage collectif du jeune Marx. Ah oui, c'est interdit, c'est vrai. Même si je paye, là? Oh non. Écoutez, on a lu ce sondage. Les droites d'auteur ont encore gagné. God damn it. Tant pis. Passons à la lecture de l'article. Alors, il était connu pour ses travaux sur les classes sociales qui avaient revivifié les débats théoriques et empiriques sur les structures de classe, en particulier son livre « Classe » au pluriel, publié en 1895, et conduit les sociologues américains à l'élire en 2012 à la présidence de l'Association américaine de sociologie. C'est quand même plutôt balèze. Mais il est aussi indéfectiblement attaché à l'espoir et au projet, je vais peut-être couper la musique là pendant que je lis, et au projet d'un avenir post-capitaliste de l'humanité, qu'il jugeait à la fois nécessaire, urgent et possible, ou pour reprendre ses mots à l'idée d'un socialisme démocratique. Depuis deux décennies, il avait ainsi contribué à remettre au premier plan, et au cœur de la théorie sociale et politique, la question des alternatives au capitalisme et des stratégies de transformation sociale. Son œuvre majeure sur la question est d'ailleurs le seul livre qui aurait été traduit en français de son vivant, sous le titre « Utopie réelle », qui résume parfaitement sa démarche. Trouver les voies d'un dépassement concret du capitalisme, tout en se tenant fermement sur le terrain du possible, en rupture avec l'adaptation pseudo-réaliste au réel, mais aussi avec le repli consolateur sur des mirages néo-communautaires ou la fétichisation esthétisante de l'émeute, tous deux voués à laisser intact le monde tel qu'il est. Et bam! Merci Jayden BZH, qui vient grossir la mafia bretonne. Tu nous excuseras, Fox Mulder. On ne peut retrouver et restituer le sens du travail d'Eric Olin Wright sans prendre au sérieux ce qui est au cœur de son projet intellectuel et qu'il n'a cessé de rappeler. La nécessité de bâtir à la fois une théorie permettant d'éclairer les dynamiques fondamentales des sociétés capitalistes, une sociologie capable de saisir les transformations des classes et des rapports de classe, y compris dans leur lien avec les modes de domination de race et de genre, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intersectionnalité, et un guide ou une boussole pour l'action politique émancipatrice. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se disent là sur l'intersectionnalité, machin, plein de gens qui mélangent tout un paquet de trucs, mais la logique de base, c'est quoi? C'est de dire, bah, la classe, c'est une chose, mais il y a aussi le fait que des gens sont renvoyés à une certaine idée, d'accord, de race, c'est pour ça qu'on parle de racisation, ça veut pas dire que les races existent objectivement, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont racistes, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Et que du coup ça a des effets très concrets sur bah, les gens qui sont victimes de racisme. Et puis de l'autre côté, l'idée de genre, c'est de dire bah, être un ouvrier homme ou être une ouvrière femme, bah, c'est pas exactement pareil. Parce que même si tu partages ta classe, eh ben, tu partages pas du coup bah, de fait soit ton sexe, soit ton orientation de machin, etc. Et l'idée, c'est pas, enfin concrètement, la base, c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est que la domination, elle n'est pas seulement de classe, elle prend aussi d'autres, elle a aussi d'autres éléments. Ça ne veut pas dire que certains sont plus importants que l'autre, ça veut dire qu'il essaye de penser les différentes choses-là en même temps. Voilà, c'est des catégories sociales, exactement. Merci Confrizy pour ton follow. Réinvestir la pensée marxiste. Eric Olin Wright analyse lui-même ce choix fondamental dans un texte autobiographique intitulé « Tomber dans le marxisme, choisir d'y rester ». Il y insiste notamment sur le fait qu'il ne s'agissait pas simplement pour lui d'inscrire ses travaux dans le cadre du marxisme, conçu comme un programme de recherche parmi d'autres, mais de développer une théorie sociologique et marxiste qui soit capable d'impulser des enquêtes empiriques ambitieuses
et ce faisant de participer à la reconstruction du marxisme. Et les différences se nourrissent ou pas. Bah, c'est ça la difficulté. C'est ça qui fait que les gens ne sont pas d'accord. Mais c'est normal. Certains pensent que du coup, c'est les rapports de classe qui déterminent du coup les questions raciales et les questions sexistes, tout ça. D'autres qui disent que en fait, les trois sont sur un même plan. Enfin voilà, il y a des discussions. Et je ne comprends même pas pourquoi on n'est pas capable d'en parler un peu tranquillement. C'est ça qui est un peu inquiétant. Mais bon, peu importe. Ce n'est pas mon débat aujourd'hui. Cet engagement marxiste s'ancre dans une trajectoire sociale, politique et intellectuelle. On va l'appeler maintenant Wright, hein, d'accord ? Enfin, on va l'appeler Eric. Qu'Eric décrit dans ce texte. Issu d'un milieu social privilégié, entre guillemets, il évolue dans un contexte familial où les discussions sont particulièrement intenses, contribuant à une précoce socialisation intellectuelle et politique. Il intègre l'université de Harvard, où il étudie la sociologie et se politise, comme toute une génération de jeunes Américains, durant la mobilisation contre la guerre du Vietnam. Logique. Il se trouve contraint de s'inscrire à un séminaire religieux pour éviter la conscription et se rend à Oxford, où il se consacre à l'histoire de la Révolution anglaise sous la direction du grand historien marxiste Christopher Hill, suivant également les cours de Stephen Lukes. Je ne connais pas ces personnes, pour être très honnête avec vous. Revenu aux États-Unis, cette fois à Berkeley, il passe un an en tant qu'aumônier de la prison de Saint-Quentin. Se fondant sur de nombreuses discussions avec des détenus, il acquiert une connaissance de l'univers carcéral et en tire son premier livre, Politics of Punishment, où il développe, ça c'est pour nos profs d'anglais par ici, où il développe notamment une théorie des fonctions de la prison de la société capitaliste états-unienne, mais où figurent également des témoignages de prisonniers. Très intéressant ça. Je lis ce que vous dites. Arrêtez de dire des bêtises. Dans le même temps, il anime un séminaire à l'université intitulé « Utopie et révolution ». Ça devait être sympa comme séminaire. Qu'il décrira plus tard comme une préfiguration de son projet sur les utopies réelles. Est ainsi présente, dès cette première étape de son parcours intellectuel, la volonté de ne pas faire tourner à vide, c'est-à-dire sans pratique d'enquête, l'élaboration et le débat théorique, mais aussi et surtout cette double préoccupation savante et politique dont la combinaison ne cessera de marquer son travail. Ça, c'est vachement important, hein. Toujours repartir du réel. Toujours repartir du réel. Ça, c'est hyper important. De l'existant, comprendre ce qui existe et l'analyser aussi avec des outils. Pour reprendre les termes classiques de Marx, la connaissance sociologique ne doit pas simplement permettre d'interpréter le monde, mais aussi de le transformer. L'exploitation au cœur du marxisme sociologique. C'est ainsi, dès la fin des années 60, qu'Eric décide de travailler au sein du marxisme et de contribuer activement à sa reconstruction, tout en valorisant fortement le pluralisme intellectuel sans lequel un cadre théorique, aussi inventif soit-il à ses origines, est voué à se scléroser et à se muer en dogme, devenant progressivement incapable de saisir les transformations des sociétés et d'enrichir notre connaissance du monde social. Ça, c'est fondamental, ce qu'il vient de dire là. Toujours valoriser le pluralisme intellectuel, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est aussi un peu ce qu'on tente très modestement de faire sur cette chaîne, sans lequel un cadre théorique est voué à se scléroser, à se muer en dogme, incapable de saisir les transformations des sociétés. Je peux vous dire que des gens comme ça, j'en connais un paquet. Et on ne va pas se mentir, c'est quand même souvent des vieux. Voilà. Cet effort pour bâtir une théorie robuste est explicité dans un texte coécrit avec le sociologue et ethnographe marxiste du travail Michael Beauravoy, j'ai jamais su le prononcer, qui peut être... mais exposer clairement sa grille de lecture, c'est pas du tout honteux, au contraire. Mais par contre, dire « ma grille de lecture est parfaite, elle est indépassable, c'est celle-là et pas autre chose, et je refuse de lire ce qu'il y a à côté parce que ce serait la trahir », ça pour moi c'est un problème. Hein. Mais bon, ça chacun, il y a des gens qui seront peut-être pas d'accord avec ça. Ils y avancent notamment une forte critique de toute tentative de prédiction de la trajectoire future du capitalisme, et en particulier de la thèse de l'inévitabilité du passage du capitalisme au socialisme. Donc on rappelle, la logique, hein, c'est qu'on n'arrive pas normalement, dans la logique de Marx, directement au capitalisme, on passe par une étape intermédiaire qui serait le socialisme, avec un grand S, et qui passerait par, justement, comme son nom l'indique, la socialisation des moyens de production, d'accord, qui devrait déboucher ensuite sur une société sans classe, et c'est ça, du coup, qu'on appelle le communisme. Cette critique est d'ailleurs au principe du projet d'Olin Wright sur les utopies réelles. Si le capitalisme n'est pas voué à engendrer de manière endogène et nécessaire son dépassement vers une société sans exploitation ni oppression, ce dépassement doit être pensé théoriquement et porté politiquement. Hop.
si c'est pas trop fort, ça va. Le terrain ainsi déblayé de toute philosophie de l'histoire, Olin Wright et Burravoy proposent d'élaborer le marxisme sociologique en tant que théorie de la reproduction contradictoire des rapports de classe. Alors ça, c'est pas mal. Théorie de la reproduction contradictoire des rapports de classe. Ça veut dire qu'il y a effectivement quelque chose qui se reproduit dans le temps. Il y a toujours des capitalistes d'un côté et puis de l'autre, du coup, bah, autre chose, complexe, mais qui est contradictoire. On a déjà eu ça avec Hollande, bientôt le communisme, du coup, c'est ça, évidemment. Cette notion de contradiction les amène à placer au cœur du travail de description et d'explication non seulement le fait que les classes se définissent par leur dépendance réciproque, ça c'est pas mal, hein, pour parler comme Elias, mais l'antagonisme inhérent au rapport entre les classes qui seul permet de penser adéquatement les stratégies qui sont mises en œuvre par les individus ou les groupes sociaux, mais aussi les dispositifs ou arrangements institutionnels établis historiquement dans le cadre de l'État ou de l'entreprise capitaliste, ainsi que les changements qui les affectent. Dis donc Hugo, tu fais pas des phrases simples, toi, mon cochon, là. Donc, il y a évidemment une contradiction qui amène à penser, il y a une dépendance entre les deux classes, c'est ça l'idée, hein, qui est concrète, ça veut dire que, bah voilà, on a tous besoin concrètement d'aller bouffer, donc de bosser, et puis il y a un antagonisme aussi inhérent au rapport entre les classes, on a envie d'autre chose, quoi, c'est ça l'idée. Cette orientation théorique suppose donc de clarifier les concepts de classe, de structure de classe et de rapport de classe, ce qui était justement l'un des objectifs centraux d'Eric des années 70 jusqu'à sa mort. Le principal caractère distinctif de son approche, et plus généralement de la théorie marxiste des classes, consiste à les penser en référence à l'exploitation capitaliste. C'est ce mécanisme qui permet à la classe dominante, la bourgeoisie, de s'approprier le surproduit social et qui engendre la structure fondamentale des inégalités matérielles et des rapports de pouvoir entre les classes, donc les classes elles-mêmes. Certains ont beaucoup, d'autres ont presque rien. Voilà. Ça, c'est les inégalités matérielles. La vache, t'as réussi à avoir une super émote, Fox Mulder. Cela ne revient nullement à nier l'existence d'autres mécanismes inégalitaires et d'autres formes d'exploitation au sein des sociétés capitalistes. En particulier, l'appropriation par les hommes, dans le cadre de la famille hétérosexuelle, des produits du travail gratuit des femmes. Et là, vous voyez, on est aussi sur des questions de genre. Ni à prétendre que toutes les différences de style de vie s'expliqueraient par l'exploitation capitaliste. Il s'agit plus simplement de rappeler que les formes d'appropriation et de dépossession associées à cette forme d'exploitation sont incontournables pour éclairer la structure de nos sociétés. Aussi bien du point de vue des inégalités matérielles que des rapports de pouvoir. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Hein. Les inégalités matérielles plus rapports de pouvoir. C'est pour ça que je vous disais que l'essentiel, et surtout enfin, pour moi, hein, le plus important, c'est de savoir qui a le pouvoir. Et ça, c'est... On a tendance à se focaliser beaucoup sur qui a tout court. Certains ont beaucoup, d'autres ont peu, et c'est normal, parce que ça fait émerger des sentiments d'injustice immédiat. Et dans le même temps, il y a aussi, surtout... Bah, qui a le pouvoir ? Il présuppose a priori un rapport a priori violent entre les classes. Bah, pas vraiment. Il suppose un rapport antagonique. Ça veut dire que bah, les intérêts d'une classe et de l'autre sont opposés, quoi. Ça ne veut pas forcément dire que c'est violent. La preuve, il y a des mouvements violents et on n'en a pas tous les jours. Tous les jours, on ne prend pas les armes contre le patron. Hein. On ne prend pas les armes tous les jours contre les actionnaires. Ça se saurait. Fameux décideurs, voilà, c'est ça. On appelle ça des décideurs aujourd'hui. Comment s'organise le pouvoir ? Bah, c'est ça toute la difficulté, mon cher Ragben. Et si je pense ne pas être capable d'y répondre en deux secondes, parce qu'il faudrait regarder comment ça se passe dans l'entreprise, comment ça se passe dans le patronat, comment ça se passe au niveau de l'État, tout ça. Il y a tout un tas de structures de pouvoir qui sont imbriquées, quoi. Dans les institutions internationales, vous voyez, il faut prendre tout ça en même temps, quoi. Je bois un petit coup. Une telle approche des classes n'est pas simplement en contradiction avec la vision commune et apologétique des inégalités sociales, comme produit de différences individuelles. Si vous pouvez mettre la définition de apologétique pour tout le monde dans le chat, vous serez parfait. Comme produit de différences individuelles, c'est ce qui fait l'apologie tout simplement, de dons, de talents, d'efforts ou de mérites. Vous voyez, je ne sais plus qui disait tout à l'heure comment on fait pour être de droite, et ben on sait comme ça. On pense qu'il y a des gens qui ont des dons ou qui ont beaucoup de talents, qui font plus d'efforts que d'autres, et qui du coup méritent plus que d'autres. Elle s'avère également originale par rapport aux approches critiques des inégalités qui dominent dans le contexte intellectuel français, se distinguant aussi bien de l'économie des inégalités proposée par Piketty, on essaiera de l'inviter d'ailleurs,
m'étonnerait qu'il accepte, mais ce serait marrant, que de la sociologie de la domination élaborée par Pierre Bourdieu. Ça, on y reviendra un autre jour. C'est très important et surtout très complexe. Si Eric a loué la richesse du travail empirique réalisé par Piketty, il lui reproche de ne pas avancer de modèle explicatif. Eh oui, c'est un peu tout le problème. Adopter les déciles, vous vous rappelez, on coupe la population en 10, comme unité d'analyse, ce qui renvoie à une conception strictement stratificationniste, c'est-à-dire bah, on regarde seulement, on découpe simplement la population, hein, de la structure sociale, on regarde simplement les échelles, aboutit à esquiver pour l'essentiel la question de l'exploitation. C'est ça qu'on a beaucoup reproché à Piketty. Il parle beaucoup d'inégalité, mais il parle jamais de rapport de production. Il parle jamais d'exploitation. Donc des luttes et des rapports de pouvoir entre les classes sur les lieux de travail, et à focaliser inévitablement l'attention sur la question de la redistribution. Et oui, il est dès lors parfaitement logique que Thomas Piketty insiste autant dans ses travaux scientifiques comme dans ses interventions politiques sur la question de la fiscalité, puisque c'est de la redistribution, la fiscalité, allant jusqu'à avancer la proposition d'un impôt mondial sur le capital. Alors même ça, pour le mettre en place, vous voyez, ce que ça implique en termes de rapport de force, c'est pas mal, hein. La divergence avec Bourdieu se trouve ailleurs. S'il partage avec lui une approche relationnelle des classes, Eric pense d'abord les classes à partir de leur position dans la sphère de production marchande. Et c'est ça, en fait, qui pour moi fait qu'on est marxiste ou pas. C'est penser les classes comme ça, et j'ai tendance à être d'accord avec ça. Là où cette dimension est largement absente des travaux du sociologue français, hormis ceux sur l'Algérie. Plutôt qu'une explication de la formation des inégalités, la sociologie de Bourdieu cherche à décrire les formes de violence symbolique à travers lesquelles est obtenue l'adhésion. Alors ça, il faudra expliquer tout ça, hein. C'est de la sociologie un peu... Enfin voilà, il faut... faudra qu'on le fasse. L'adhésion au moins partielle des dominés à un ordre social inégalitaire, ou plus précisément la manière dont cet ordre se perpétue en s'inscrivant dans les corps et les esprits des individus sous la forme de style de vie, de vision du monde ou de morale de classe. Ça, c'est tellement important. La découverte théorique majeure de Bourdieu, c'est de dire, mais quand même, il y a quelque chose qui rend le capitalisme acceptable en permanence. Il y a une violence qui s'exerce, qui n'est pas seulement de la violence au sens, vous voyez, physique du terme, mais qui est symbolique. Il y a la volonté des classes populaires d'accéder, du coup, à ces symboles, à avoir le mode de vie des dominants, etc. Et il nous dit que c'est ça qui contribue aussi à reproduire en permanence bah, la société dans laquelle on vit. Et je trouve que c'est extrêmement important, ça. Il a raison, c'est très important. Avant de redistribuer les richesses, il faut voir si la production de richesses n'est pas accaparée à la base. Piketty fait l'aveugle. Bah, c'est vrai que Piketty se concentre, lui, du coup, sur la question de la répartition, bien plus que sur la question de la production. Et c'est là où on peut le critiquer, effectivement. À l'inverse, ce sont les mécanismes d'extorsion de la valeur économique par la classe des propriétaires capitalistes qui sont au cœur et au principe du cadre proposé par Eric. Donc vous voyez qu'on est évidemment dans la logique de Marx. Là. Cela suppose de lier l'analyse des classes aux dynamiques de l'accumulation du capital, mais aussi aux transformations de l'État, des politiques publiques, du fonctionnement des marchés, des processus de travail ou encore des technologies. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Voilà. Alors ça, c'est toujours quand on veut se la jouer un peu, on met « last but not least ». Le dernier mot, mais pas le moins important, cela pose nécessairement le problème du degré auquel les classes sont en capacité de défendre leurs intérêts, des stratégies collectives mises en œuvre et des formes d'organisation, aussi bien du côté des classes dominantes que des classes populaires ou des couches intermédiaires, autrement dit, la vieille mais indéracinable question de la lutte des classes. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Le piège de la classe moyenne. En rester au simple rapport d'exploitation serait pourtant nettement insuffisant, en condamnant une description sommaire de la structure de classe réduite à trois ensembles sociaux, une classe numériquement très restreinte de propriétaires capitalistes, une classe en déclin de petits indépendants, la petite bourgeoisie, et une immense classe composée d'individus qui ne sont propriétaires que de leur force de travail, le salariat. Les mouvements sociaux contemporains ont parfois accentué ce schématisme en construisant une opposition entre les 99% et les 1%, rappelez-vous de Occupy Wall Street, qui a l'avantage de souligner la sécession des franges les plus riches de la population, mais masque à l'évidence la complexité de la structure de classe des sociétés capitalistes contemporaines. Ça, c'est vrai que c'est important. C'est complexe. Les classes, c'est pas seulement 99 contre 1, il y a aussi des divergences dans les classes des 99. Lié notamment à la profondeur des différenciations internes aux 99%. Or, l'un des points de départ de travail d'Eric
sur les classes tient justement dans cet épineux problème des différenciations internes au salariat. Regroupant 80 à 90% de la population active dans la grande majorité des sociétés capitalistes développées, la population salariée ne peut être décrite comme classe qu'à condition de passer sous silence des inégalités matérielles importantes et des positions différenciées, voire opposées, dans la structure de pouvoir propre à ces sociétés. Donc si on dit que le salariat c'est une classe unique, bah on le dit, mais du coup, on oublie de dire que dans ce salariat, il y a des différences matérielles. Et pas seulement matérielles. Et que gagner 1200 euros et en gagner 4000, c'est pas exactement la même chose, pour le coup. Ce problème est généralement résolu par l'invocation d'une classe moyenne, mal ou guère définie, par une double exclusion, ni bourgeois ni prolétaire, ou selon un principe purement statistique. Et moyen, celui ou celle qui reçoit le salaire moyen, bon, sans que soit généralement précisé de manière rigoureuse les principes de différenciation dont cette classe serait le produit. Un flou qui a d'ailleurs permis à certains de conclure un émiettement des classes. C'est l'un des points qu'Eric, ça me fait bizarre de l'appeler Eric, mais vous comprenez pourquoi, hein. Faut pas dire c'est les trois mots à chaque fois, a tenté de clarifier dans ses travaux, avançant l'idée que les positions dites moyennes doivent être considérées à partir de la sphère de production, comme des positions d'appropriation privilégiées dans le cadre des rapports d'exploitation. Alors ça, c'est pas mal, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, vous vous rappelez, l'exercice de fonctions d'autorité au sein des entreprises, la possession de qualifications rares relativement et socialement reconnues, c'est ce qu'on disait, hein. Le pouvoir de l'entreprise, enfin l'autorité plutôt de l'entreprise, et puis le diplôme. Et ça donne, moi, c'est vrai que c'est compliqué à lire comme ça, mais c'est pas mal, des positions d'appropriation privilégiées dans le cadre des rapports d'exploitation. Ça veut dire que, c'est exactement le tableau de tout à l'heure, donc ça veut dire concrètement que vous êtes quand même dans un rapport d'exploitation vis-à-vis de la classe dominante, d'accord, de la bourgeoisie, mais par contre, certains ont une position privilégiée dans le rapport d'exploitation. Ça permet du coup de rendre les choses un peu plus raffinées, quoi, entre guillemets. Cela lui a permis d'élaborer une cartographie de la structure de classe des sociétés capitalistes contemporaines qui a l'avantage d'être à la fois relationnelle, donc rapport entre classes et au sein des classes, rigoureuse et sophistiquée, dans la mesure où elle combine l'antagonisme central, donc on l'a déjà dit, on garde l'antagonisme entre ceux qui possèdent les moyens de production et les autres, et les rapports de pouvoir internes aux salariés. Donc ça c'est le tableau de tout à l'heure mais en anglais, donc évidemment c'est encore plus le bordel, mais vous l'avez compris. Cette approche permet notamment d'insister sur l'origine, dans la sphère de la production, du caractère contradictoire de ces positions dites moyennes. Non pas ni exploiteurs ni exploités, mais à la fois du côté des exploiteurs, dans la mesure où celles et ceux qui les occupent contribuent à l'appropriation du surproduit social par les propriétaires du capital, et du côté des exploités, en tant qu'ils restent soumis à l'arbitraire patronal du fait de leur statut de salarié. Et on voit souvent, enfin je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans votre propre entourage, hein, il y a des gens qui font partie de cette espèce de sur-salariat, vous voyez, ces gens qui sont haut managers, etc., qui parfois, en l'espace de quelques semaines, perdent du coup leur aura dans la boîte et chutent complètement, quoi. Et là, ça peut entraîner des dépressions, etc. Et là, ça rejoint aussi les discussions entre classe et statut social, tout ça, bon. Merci Doppelgaming pour ton follow. On comprend mieux ainsi que, du fait de cette position, ces groupes puissent constituer un levier de transformation sociale dans certaines circonstances historiques, mais se révèlent le plus souvent un obstacle à cette transformation en raison d'intérêts objectifs immédiats à la perpétuation d'un ordre qui leur assure certains privilèges matériels et symboliques. Et là, on complexifie grandement, et je dis bien grandement, les rapports de classe, au sein même du coup du salariat. Parce que bah, certains ont de fait des objectifs ou des intérêts immédiats à ce que le statu quo continue. Et oui, c'est ça qui rend la chose difficile, hein. Un autre point fort du travail d'Eric est de contribuer à une macro-sociologie, à grande échelle, hein, des classes qui ne fait plus guère l'objet de recherche de la sociologie française, mais qui pourrait avantageusement être articulée aux riches enquêtes ethnographiques menées en France depuis une vingtaine d'années. Donc l'ethnographie, je ne sais plus la définition officielle de l'ethnographie, allons voir ça. Étude descriptive des groupes humains, de leur caractère anthropologique, sociaux. Bon, l'idée c'est, il y a énormément de descriptions à l'intérieur des, à partir du coup d'enquêtes approfondies
dans des groupes sociaux. Je dirais plutôt que ça permet d'aider les gilets jaunes. Les gilets jaunes dérangent ce type d'analyse. Bah, c'est vrai que c'est hyper compliqué, hein. Les gilets jaunes, je peux vous assurer que ça a posé des questions, mais à tous les niveaux. Politiquement, syndicalement, d'un point de vue des sciences sociales aussi, c'est évidemment que ça pose des questions. Ainsi a-t-il mené plusieurs comparaisons de grande ampleur dans le temps, en mettant en évidence les évolutions de la structure de classe états-unienne au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, et dans l'espace, en décrivant... Ma voix a flanché, j'ai mué pendant quelques secondes, excusez-moi. Et dans l'espace, en décrivant les structures de classe propres à une série de sociétés capitalistes développées, États-Unis, Suède, Japon notamment. Ça, c'est excellent de faire ça. Pour moi, c'est toujours une très bonne manière de faire, de rappeler que même le capitalisme contemporain, déjà, il n'est pas le même qu'avant dans le temps, et il n'est pas le même non plus dans l'espace. Le capitalisme allemand n'est pas le même que celui français, qui n'est pas non plus le même que celui suédois, etc., etc., etc. À partir d'une enquête par questionnaire centrée sur le travail, il a notamment cherché à éclairer les rapports entre structure de classe, conscience de classe et formation de classe, tout ça étant évidemment complexe. Une telle démarche, qui ne peut manquer de contester la frontière disciplinaire stérilisante entre sociologie, sciences politiques et économie, qu'est-ce qu'on s'en fout de ces frontières, l'important c'est est-ce que ça permet de faire avancer les connaissances et le savoir, c'est tout ce qui importe. Est-ce qu'on se pose des questions sur la biochimie, par exemple? Ben non, tout le monde s'en fout. L'important, c'est ce que ça permet d'avancer. A enfin l'avantage de fournir des instruments conceptuels permettant d'interroger la croissance des inégalités matérielles, donc les possessions hein, matérielles, mais aussi la variabilité selon les pays du rythme de cette croissance. Il s'agit là, à l'évidence, d'un phénomène que la sociologie ne peut laisser impenser sans manquer l'une des coordonnées les plus cruciales de notre temps. De même, dans un contexte d'aiguisement du conflit social, bien marqué actuellement en France par la mobilisation des Gilets jaunes, donc c'était à l'époque des Gilets jaunes, hein, le marxisme sociologique nous invite à remettre au centre de l'attention les formes, les logiques, les acteurs ou encore les effets des luttes de classe. Largement absente des travaux de Bourdieu, sinon sous la forme de luttes de classement. Concilier rigueur scientifique et engagement politique. L'une des dimensions sans doute les plus remarquables du travail d'Éric est d'avoir tenu bon durant plus de 4 décennies sur un double projet, intellectuel et politique, sans jamais céder ni aux facilités aux raccourcis d'une rhétorique strictement militante, ni à l'hyper-spécialisation disciplinaire ou au carriérisme académique. On pourrait ainsi avancer l'idée que son œuvre se situe au point de confluence entre ce que le philosophe Ernest Bloch nommait les courants chauds et froids du marxisme, courant chaud de l'utopie, permettant de dessiner l'horizon d'une rupture possible avec l'ordre existant, et dans un contexte marqué par la négation néolibérale de toute alternative, rappelez-vous qu'on vous répétera toujours « il n'y a pas d'alternative », la lecture c'est ceci, mon cher Clint 49. On fait un bisou au Maine-et-Loire. Courant chaud d'utopie, je l'ai dit, courant froid de l'analyse sociologique, de l'exploitation capitaliste et des inégalités, donnant à voir la permanence, les transformations et les effets des clivages de classe. Costaud, hein, j'aime bien cette idée de courant chaud, courant froid. Il l'a fait dans son style propre, manifestant toujours la même rigueur d'analyse et la même volonté inflexible de démontrer et de convaincre, par des arguments rationnels, théoriquement élaborés et empiriquement fondés. Ça veut dire fondés, du coup, sur des données, sur un travail de recherche rigoureux, etc. Tout en prenant au sérieux l'idée que la sociologie ne vaudrait pas une heure de peine, selon la formule canonique de Durkheim, si elle ne permettait d'éclairer les mécanismes par lesquels se perpétue l'injustice sociale et l'écrasement des facultés humaines les plus hautes, ou en termes marxistes, l'exploitation et l'aliénation. Le savant et le politique, tiens, d'ailleurs le nom d'un bouquin que j'ai montré tout à l'heure, celui de ce bon vieux Max Weber. Le savant et le politique étaient ainsi, chez lui, intimement liés, et même si leurs pratiques de la sociologie furent très différentes, il se rapproche de ce point de vue de son ami et collaborateur Michael Buravoy, également défenseur d'une sociologie marxiste et d'un usage public de la sociologie, avec qui il partageait en outre la même disponibilité à l'égard de jeunes chercheurs et le même enthousiasme pour le débat politico-scientifique. Alors que s'aiguisent les conflits de classe et que s'accentue le caractère autoritaire du néolibéralisme, le travail d'Éric plaide non seulement pour des enquêtes capables de documenter précisément les transformations des structures de classe et les mécanismes assurant leur reproduction, pour une approche théorique permettant de fournir non simplement une description, mais une explication du devenir de nos sociétés, en particulier de l'explosion des inégalités, mais aussi pour une démarche politique, cherchant à élaborer et populariser une alternative au système économique et politique qui se trouve
à la racine de ces inégalités, le capitalisme, par Ugo Paletta, le 12 mars 2019. Bon, on remercie Hugo et on remercie Eric, il est ici, qui fait un espèce de signe, je sais pas tellement ce que c'est, il doit dire qu'il y a trois classes pour cette lecture. Ragben n'est pas content, il dit que c'est super simpliste. Les cocos vont s'arracher les cheveux. Bah écoute, je sais pas pourquoi. C'est toujours intéressant, ça mérite discussion, comme toujours. Je ne dis pas que ce qu'on vient de lire là est la vérité, mais que ça permet de questionner, c'était ça l'objectif de base, les logiques de classe, les notions de classe, et du coup, ce qu'il y a à l'intérieur des classes. Tresser des louanges à Weber et tacler Bourdieu, c'est frappant. Ouais, je sais pas s'il fait exactement ça. Ce qu'il dit sur Bourdieu, c'est que justement, il a peut-être pas suffisamment accepté de parler des classes. Mais bon, je suis pas totalement d'accord avec ça non plus. Hein. Ça se discute. Mais c'est un débat théorique pour un autre moment. Bon, ça va, ça vous a plu? En tout cas, je l'espère. Et puis, voilà. J'ai trouvé ça, moi, très intéressant. J'espère que, du coup, les petites slides du début, qui avaient une vocation, mais sans non plus être d'excellentes slides, mais au moins une certaine vertu pédagogique, du moins, je l'espère, ça a permis d'apprendre des choses. Et puis que ça, cette histoire d'Eric, ça a permis, on va l'appeler Eric maintenant, ça a permis, du coup, d'approfondir un petit peu la logique. Donc voilà, ça fait pas mal de faire un peu de sociologie de temps en temps, parce qu'en fait, les liens avec l'économie sont évidents. Hein. Si on pense pas en termes de classe non plus en économie, bah on rate le coche. Rends l'argent, dit Marx. Je vais mettre la moyenne, mais vous êtes trop bon. Bourdieu, il sert concrètement à comprendre et Weber à déformer. C'est un conseil. Oui, oui, moi j'aime. Tous ces gens-là, je les lis avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà pour ce soir. J'ai qu'à l'inviter à jouer, c'est ça. Je vais inviter... Qui ça, tu veux dire Ugo Paletta? Ou si tu veux que j'invite Eric, ça va être compliqué, vu que malheureusement, il n'est plus de ce monde. Sans parler de Weber et Bourdieu, hein, pareil, qui sont enterrés. Bourdieu enterré d'ailleurs au cimetière du Père Lachaise. Si vous voulez un jour aller vous recueillir sur sa sépulture. Donc voilà. Donc du coup, demain soir, normalement... Alors attends, est-ce qu'il m'a envoyé un message d'ailleurs? Je vais regarder ça tout de suite. J'ai raté tout un tas de trucs. Demain soir, on devrait avoir... Bon, je vous dirai ça tout à l'heure s'il m'a renvoyé un message. On devrait avoir... mince. Hop, Nick Graeber, sniff. Bah ouais. On devrait avoir Alexandre Delegue, qui est un économiste justement, qui n'est pas vraiment un gauchiste, avec qui je suis très souvent en désaccord, mais qui est très sympa, qui viendra parler du coup de questions lutte des classes ou lutte des classes d'âge. Mmh. Donc je vous tiendrai au courant de l'horaire, ce sera vraisemblablement en soirée. Bah oui, Marx, on peut pas vraiment l'inviter non plus, malheureusement. Ce sera compliqué. Merci, Underfalrek, pour ton follow. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne, bien sûr. N'hésitez pas, si vous le désirez, à vous abonner. On continuera, selon le rythme, de 3 streams par semaine, au moins. Parfait, il pourrait y en avoir plus. Donc demain soir, normalement Alexandre Delegue, et vendredi, normalement, Romaric Godin, journaliste économique à Mediapart. On fera une petite discussion, entre guillemets, sur après Covid, quoi. Où est-ce qu'on se dirige, etc. Donc, vous remarquez qu'il est plutôt, lui, un peu tendance keynésienne, entre guillemets. Donc, ce sera sympa. Et puis, voilà. Je vous fais de grosses bises. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et j'espère qu'on se verra très vite. En tout cas, c'est soit demain, soit vendredi. Allez, salut tout le monde. Le Discord pour avoir les infos, etc. Je fais des annonces régulièrement et sur Twitter également. Donc bah voilà, prenez soin de vous. Passez une très bonne soirée. Et puis on se voit bientôt. Salut tout le monde. De grosses bises. Thank you.